Bien, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Salut T41, premier du live ce soir. T41, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Alors, d'abord, on va lancer les invites direct. On va commencer bien sûr par le 7 Max Player. Pour pas l'oublier, on va monter à 12. 7 Max Player 12, ça c'est fait. Salut Docteur Nintendo, salut Yoshi Event, comment ça va? Grosse. Je me suis pas laissé avoir. Salut Nolan, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu Nolan? Alors, Arke a rejoint, ça fait plaisir. Donc, on va envoyer les invites. Je vois qu'il y a du monde sur Minecraft. Hop, 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 ça c'est pour ceux qui sont connectés. Ensuite, on va envoyer les invites PlayStation. Salut Chef Puma, j'espère que tu vas bien. Comment ça va Chef Puma? Salut Anto, je t'avais pas vu, pardon. Tant pour moi, monsieur Anto, mes respects. Premier adjoint de l'adjoint au maire. Mes respects, monsieur Anto. On peut pas dire mieux que mes respects. Alors, attendez un instant, j'envoie les invites pour ceux qui sont connectés et qui jouent à Minecraft. Cyver est connecté. Qui en a d'autres? C'est un peu plus dur pour. Qu'est-ce qui se. Oh, Nolan s'est abonné en Prime. Merci beaucoup, Nolan. Merci, Nolan nous soutient. Merci beaucoup, Nolan. Un grand merci à toi pour l'abonnement Prime. Merci, merci. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. New sub! New sub! C'est dommage, Evanco n'est pas là. J'aurais aimé qu'il soit là ce soir. On va inviter Trapi, on peut inviter qui? Non, après eux, ils sont pas connectés. Docteur Nintendo est là. Chef Puma est connecté, j'avais pas vu. Ensuite, qui on peut connecter? Connectons-nous, les gars, connectons-nous. Eventail, tiens. Ah oui, Cyber, c'est parce qu'il est sur PlayStation. C'est pour ça que ça me vient. T'as accès au beau fail maintenant. Nolan, il a accès au fail. Je vois que Chef Puma est ici, ça me fait plaisir. On attend Anto s'il veut rejoindre également. Chef Puma a donc rejoint, parfait. Monsieur Docteur Nintendo toujours en retard à ce que je vois. En tout cas, un grand merci Nolan, un grand merci pour le soutien. Alors, je sais pas si en Prime Nolan a droit au à l'émoticône sub. Je sais pas. On va attendre le prochain message de Nolan pour voir. Attendez, on se rapproche de monsieur Chef Puma. Se rapproche de monsieur Chef Puma. Que fait-il? Il est en train de dormir. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Chef Puma? On est en train de l'espionner, les gars. Désolé, je me suis tapé double pub. Suis désolé, c'est comme ça. Je suis désolé. Oh, il m'a cramé. Il m'a cramé. Il m'a cramé, le Chef Puma. Une maison pour Nolan. Oh, monsieur Arquet est là. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Arquet, comment ça va? Bonjour, bah ça va très bien. Eh, monsieur le maire, vous avez vu? J'ai rejoint sans invitation. Oh là là, il progresse monsieur Eh Arquet. ben, Monsieur Arquet progresse. Minecraft a été enfin bien fait pour les Switch. Ah, ça fait plaisir. Mes grands respects juste pour ça. Mes respects, mes respects, mes respects, mes respects, mes respects. En tout cas, ça fait plaisir que j'ai pas besoin de te spammer l'invitation pour venir, monsieur Arquet.
Ça fait très plaisir. Vos yeux me font peur, hein. Mais non, ils sont très bien, mes yeux. Mais j'ai l'impression que vous avez un pénis sur le front, ça me fait peur. Mais c'est une torche, monsieur. Pardon, c'est quoi? C'est une torche sur le front, sur le nez, par... Oh, pardon, j'ai cru que c'était un pénis. Autant pour moi. Ah non, non, ce qu'il y a au niveau du bas de ma tête, c'est un nez. C'est le nez, bah, d'ailleurs, des villageois... Très bien. Qui ont très peu de vocabulaire, qui font... Voilà. Monsieur Docteur Nintendo, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur, madame, chef Puma, mes respects, comment allez-vous aujourd'hui? Bah, ça va, sauf qu'il y avait une personne un peu bizarre qui était déjà en train de m'espionner dès le début, donc je me pose déjà des questions. D'accord. Alors attendez, on bascule tous dans la salle d'attente. Hein. Autant pour moi. Monsieur Docteur Nintendo, comment allez-vous? Monsieur chef Puma, madame chef Puma, dites-moi, c'était une personne bizarre? Mm-hmm. Elle était habillée comment? Je sais pas, elle avait un peu un costard, habillé en noir avec des petites manches blanches. C'est quelqu'un qui se serait déguisé en monsieur le maire? On verra bien. Nous trouverons cet intrus, monsieur, madame, chef Puma. Mmh, d'accord, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'est déguisé ou ça se trouve c'est vous, hein, je ne sais pas. Oh non, ce n'est pas moi. Non, c'est pas possible. Je ne mange pas de ce pain là, monsieur, madame, chef Puma. Voyons. Voyons. J'ai crevé de faim par contre, j'ai plus de bouffe. Monsieur Docteur Nintendo, tenez. Prenez du pain. Prenez du pain. Ceci, c'est des pommes de terre, monsieur le maire. Je pense quoi de mes nouvelles fêtes? Mais c'était très bien. C'était très moche. Je vais m'en rassasier. Moche. Monsieur le maire, vous pensez quoi de mes couettes? Oh, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des parasites. Je me permets de couper ceux qui ne sont pas censés être là. Oui, oui, merci bien. Monsieur Anto est derrière. Bonsoir. Oh, monsieur Anto. Bonsoir, Anto. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mes respects. On dirait que j'ai envie de faire pipi comme ça. Oh, j'ai envie de faire pipi, Wow, votre fessier me donne d'autres envies, monsieur le maire. Oh, je vois que... Vous avez dit ça, monsieur de... Vous avez dit... l'odeur. Fermez les yeux. Je sais pas si monsieur le maire mange de ce pain-là non plus. Je... Hein. Sachez, monsieur docteur Nintendo, je ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Sachez-le. Et ni de la saucisse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis une femme, monsieur le maire. Non, je rigole, bien entendu. Évidemment. N'oubliez pas que nous avons 15 chefs d'inculpation pour vous. Hein. Oui. Mais bon. 15 chefs d'inculpation. Oui. Oui, bon. Ben Nolan, il a un emoji first aussi. Du coup, ben bravo à toi Nolan pour l'emoji first. Bravo. Désolé, mon PC a crash quand je me suis abonné. Si vous avez dit des choses, je n'ai pas vu. Eh ben on est très content Nolan que tu aies sub, ça me fait plaisir. Pultoff est dans le chat aussi. Bienvenue à toi Pultoff. C'est la première fois que tu viens, donc pense à follow, ça fait toujours plaisir. Alors, du coup... Ah, je jette des pierres. Ah. Alors, que faisons-nous aujourd'hui, messieurs, monsieur le premier adjoint, messieurs, madame, l'adjoint du premier adjoint et monsieur le premier adjoint du premier adjoint? Faisons une réunion dans mon bureau. Je vous invite. Réunion. Je vous invite, messieurs, dans le bureau de la table carrée pour discuter uniquement avec les élus, s'il vous plaît. Merci bien. C'est parti. Je me sens un peu exclu. C'est un conseil municipal. Hein. Le conseil municipal est ouvert à tous les administrés, sauf qu'ils ne siègent pas. Je répète, ils ne siègent pas sur la table carrée, donc n'ont pas droit à la parole. Ils sont là en tant que spectateurs uniquement. Il y a une bite ici. Il faudrait peut-être l'enlever. Oh, où ça? C'est ignoble. Qui a fait cette immondice? Mais c'est un podium, c'est pas une bite. Moi, monsieur le maire, j'ai ma petite idée en tête. Je pense savoir, monsieur Arquet. Allez, venez. Elle était déjà là la dernière fois. Oh, il faut... Ah, mais je sais. Je suis désolé.
Je suis désolé. Non, mais. C'est pas assez bien fait pour que ce soit moi. Alors, je le répète, pour ceux qui sont nouveaux dans le chat, vous pouvez nous rejoindre sur la map. C'est du RP. N'importe qui peut rejoindre. Messieurs, conseil municipal, s'il vous plaît, entre les élus et monsieur le maire. Monsieur le maire ? Oui, je vous écoute, monsieur Arquet. Il faut que je retire cette bite. Non, merci. Ça ira d'accord. Très bien. Alors, bien entendu, j'ai trois élus. En face de moi, le premier adjoint. À sa droite, le premier adjoint du premier adjoint, monsieur Anto. Et à sa gauche, le premier adjoint du premier adjoint, madame, monsieur Chef Puma. Très bien. Merci, merci d'être là, très chers élus du One World. Qu'est-ce qu'il est beau, notre One World, il est magnifique. On peut voir que la map est extrêmement bien travaillée, sauf qu'il y a une ferme. Une ferme qui est plutôt assez jolie, j'ai failli la critiquer, mais je... Non, monsieur, j'y ai porté ma décoration tout de même. Tout à fait. La ferme est magnifique ici, tout à fait. J'ai essayé de la rendre parfaitement avec la forêt qu'il y a à côté. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, elle est magnifique. Ouais. Magnifique. Alors, une bordure de bio, mais plus moche que ma ferme, en tout cas. Monsieur Dr Nintendo, monsieur Anto, monsieur madame Chef Puma, avez-vous des observations pour ce conseil municipal ? Où est monsieur Arquet ? Monsieur Arquet peut venir en tribune. Hein. Ah bah j'arrive. Mais il n'a pas le droit à la parole, je le répète. Hein. Oui, il n'a pas le droit de parler, étant donné qu'il n'est pas là. En plus, tout à fait. Merci bien. Monsieur, on va commencer d'abord par les adjoints des adjoints. Monsieur, madame Chef Puma, vous avez la parole en tant que troisième adjoint. J'ai rien à dire. Vous avez rien à dire, c'est magnifique. Voilà, c'était rapide. C'est là où on voit votre compétence à être adjoint. Je suis fortement déçu. Monsieur, madame, chef Puma. Mais je vous aime bien parce que vous êtes très bien apprêté ce soir et que ça fait plaisir de voir une gentille demoiselle dans le One World. Vous n'êtes présent que par votre physique, monsieur, madame, chef Puma. Bon, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Monsieur Anto, à vous la parole. Écoutez, bah, déjà, bonsoir tout le monde. Et puis, bah. En gros, vous voulez savoir sur quoi on pourrait avancer, c'est ça ? Des observations, quel que soit le thème, je suis prêt à les écouter. Je suis le maire du One World et je suis là pour écouter mes élus et aboutir à des projets. Donc, si vous me dites que vous avez envie de faire pipi, je suis prêt à l'écouter. Ça serait un court projet. Ça serait un court projet, effectivement. Est-ce que je peux juste aller m'absenter deux secondes, s'il vous plaît ? Oui, monsieur, madame, chef Puma, vous pouvez aller faire caca. C'est bon. Cela dépend de l'urine contenue dans la vessie, monsieur le maire. Effectivement. Ce sera un projet plus ou moins long. Attendez, vous nous ferez un rapport sur votre urine quand vous reviendrez, chef Puma. C'est une très bonne idée, monsieur Anto. Très bonne idée. On veut savoir la couleur. La couleur. Et la consistance. Aussi. L'heure du début et l'heure de fin. Tout à fait. Très bien, monsieur Anto, je vous écoute. On pourrait faire un tour, peut-être, éventuellement, des habitations, parce que il y a peut-être des habitations qui sont inoccupées depuis très longtemps, oui. Ce qui est fort dommageable. Donc, éventuellement, faire un tour pour voir comme on se plaint régulièrement de la... des problèmes techniques qu'il peut y avoir, peut-être voir s'il n'y a pas des aménagements possibles pour que la map ait moins de problèmes. Des aménagements, qu'est-ce que vous voulez dire par des aménagements, monsieur Anto ? Écoutez, je ne sais pas, il y a eu un conflit interne entre membres du One World, pas sur le One World, je tiens à le préciser. Ah oui, je crois savoir de quoi il parle. Voilà, une habitation qui, malheureusement, ne serait probablement plus fréquentée dû à cette dispute qui ne sera jamais réparée. Voilà. Donc vous proposez de quoi faire ? De détruire cette habitation, c'est ça ? Écoutez, c'est pas vraiment très fair-play de ma part, mais si ça peut éviter d'engendrer des problèmes autres que le One World, peut-être.
Très bien, nous allons y réfléchir. Il faudrait peut-être une entreprise de BTP, du coup. Tout à fait, nous appellerons Bouygues. Aucun problème. Ah, mais monsieur, madame, chef Puma revient des toilettes. Je pense qu'on a des problèmes. Monsieur le maire, je peux me permettre. Je pense qu'il y a niveau isolation, c'est pas très. Oui. Alors j'ai remarqué qu'au niveau de l'isolation, on n'est pas au point. On est clairement pas au point. Bon voilà. Bon ouais. D'où l'intérêt d'avoir du BTP pour faire de l'isolation, parce que là il y a un gros problème. Il y a juste un petit souci, j'ai peut-être bouché un peu les toilettes. C'est ce que j'allais dire. Je pense que vous avez lâché un étron qui a bouché les toilettes. Dans le jargon, vous avez cassé un chiotte, je pense. Très bien. Ah mais il a fait un deuxième. Il a cassé un Jacob de fond, comme on dit. J'espère que c'est imperfect, hein, parce que sinon ça va laisser des traces. Dites-nous. Je vous laisse regarder, Anto, si vous voulez. Dites-nous en plein conseil municipal devant les élus, est-ce que c'était imperfect? Avez-vous eu recours au papier toilette? Oui, c'est vrai. C'était... Ah, donc ce n'était pas imperfect. Ce n'était pas imperfect. C'est dommage. Très bien. D'autres observations à l'ordre du jour ? Merci beaucoup, monsieur Anto. Nous terminons par le premier adjoint du One World, monsieur Dr Nintendo, vous avez la parole. Premier adjoint qui souhaiterait s'exprimer, monsieur le maire. Ah ben, nous sommes là pour vous écouter, bien sûr. Je suis un maire à l'écoute de ses élus. Je suis là pour ça. Ça me fait plaisir. C'est pour le bien du One World. Lors de la dernière journée que nous avons passée, même des dernières journées, je veux dire, j'avais eu quelques soucis d'enlèvement et même j'ai dû passer un séjour à l'hôpital, qui m'a été tout de même assez sévère, aussi bien sur le plan psychologique, moral, etc. etc. Je vous passe les détails, ce n'est pas très important. Autant venir droit direct au sujet. Et pourquoi monsieur chef Puma, monsieur madame chef Puma, Lévi ? Bref. Mon médecin m'a conseillé de partir faire quelques temps en vacances autour du globe afin de me ressourcer psychologiquement et de me faire une nouvelle jeunesse. Donc, je souhaitais en parler avec vous à ce sujet pour savoir si je peux léguer ma place en tant que premier adjoint afin que je puisse... Pourquoi vous approchez-vous de... comme ça. vous êtes très attirant et vous êtes un sexe symbole, je le conçois. Mais tout de même. Ça le fait reculer, ça, par contre. Vous m'avez compris, monsieur le maire. Je voudrais savoir si je peux léguer ma place ou alors que nous fassions des élections anticipées afin d'élire un nouvel adjoint au maire. Vous êtes en train de me dire, monsieur Dr Nintendo, que vous souhaitez démissionner ? À contre-cœur, monsieur le maire, mais j'ai réellement besoin de m'éloigner de tout ça, ne serait-ce qu'un petit temps. Parce que ça a été très dur pour moi, vous savez, me faire enlever et me faire tirer dessus, attaquer par cette organisation. Ça a été très dur pour moi sur le plan moral et j'ai besoin de quelques temps de repos. Quitte à céder ma place, à contre-cœur, mais au moins... que je revienne fort et beau. Pas autant que vous, bien sûr, mais au moins un fragment de vous, monsieur le maire. Je comprends bien, monsieur Dr Nintendo. Je suis extrêmement déçu, sachez-le. Je portais énormément d'espoir en vous. Vous avez frôlé la mort. Vous avez frôlé la mort il y a 15 jours. Non, la semaine dernière. Vous avez fait 3 ans d'hôpital pour abandonner votre mère.
De cette façon, je dis bien abandonner votre mère, M-A-I-R-E. Ma mère est morte, donc de toute façon, je ne peux pas vraiment l'abandonner. J'ai honte, je vais me cacher. Il va falloir à nouveau faire alors en plus. J'ai plus honte, je suis de retour. Monsieur Docteur Nintendo, j'accepte votre requête avec une grande tristesse. Moi qui avais fait des éloges sur vous. Moi qui avais une grande, mais une immense envie de travailler avec vous. Je suis désappointé. Monsieur le maire, si je fais tout ça, c'est pour justement il y a un squelette derrière, revenir plus fort et pouvoir mieux vous aider. Monsieur Docteur Nintendo, vous êtes au courant que pour revenir plus fort, il faudra gagner des élections. Je le conçois tout à fait. Mais même si je ne suis plus adjoint, je pourrais tout de même aider au mieux l'adjoint qui me remplacera. Ainsi que vous, monsieur le maire. Très bien. Par contre, les élections auront lieu soit en fin de live ce soir, soit la semaine prochaine. D'accord, monsieur le maire. Merci de m'avoir écouté. Merci de me Très bien. Permettre le ressourcement au-delà du goût. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez... C'est quelqu'un qui a applaudi, là ? C'est moi. C'est vous ? Ne recommencez plus. Plus jamais. J'ai le droit d'applaudir. C'est un beau discours, quand même. Si vous tenez à la vie... n'applaudissez plus. C'est mort, monsieur le maire. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est vous qui m'avez lancé une flèche, madame, monsieur chef Puma ? J'ai pas d'arbalète sur moi. Vous m'auriez vu avec une arbalète dans les mains. Vous m'avez envoyé un steak, alors, dans la tronche. C'était pour vous nourrir. Je pensais que vous aimez bien ça, c'est tout. C'était juste pour vous nourrir. Voilà. Oui, voilà. Je comprends bien. Même si cet odieux personnage l'a peut-être fait exprès, au moins, vous pouvez manger un bon steak. Très bien. Il est bien cuit, il est pas saignant, il est bien cuit. Non, ne mangez pas. Vous allez être intoxiqué, monsieur le maire. Alors, ce que nous allons faire... D'abord, allez visiter la maison avec Monsieur Anto et le reste de la délégation, ainsi que les administrés ici présents. Nous allons visiter la maison du conflit. Ensuite, nous allons établir des candidats aux prochaines élections. Merci. Ce conseil municipal est terminé. Je vous invite à me suivre en direction de la maison, plutôt à suivre Monsieur Anto, pour aller voir la maison du conflit, et ensuite on déterminera des candidats à la place de premier adjoint au maire. Ok, tu peux venir. Ah oui, je termine juste un truc. Termine de te masturber. Alors, rejoins-nous après. Comment ça ? Monsieur le maire, il faudra peut-être nettoyer un peu la salle Arquet a lâché beaucoup. Ah d'accord, il a lâché une bombe, très bien. Je dirais pas une bombe, je dirais plus un lactose parfumé. Un lactose parfumé, très bien. Les portes, ça se ferme, messieurs. Le palais n'est pas un moulin à vent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus marrant à moi. Chaudière. Je suis aussi une chaudière, effectivement. Comment vous savez Je vous suis, monsieur Anto. Nous vous suivons. Nous allons... On n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin. Je ne vois pas de quelle maison vous parlez, en plus. Donc, c'est la grande découverte. Vous allez très vite comprendre. Ne vous inquiétez pas. Je sais laquelle c'est, donc je m'y rends aussi. Vous allez partir où, du coup, monsieur le premier adjoint ?
Oh, quelqu'un a mis des petites lumières pour moi, je n'avais pas vu. Je ne sais pas encore, je vais d'abord rassembler mes affaires et j'irai ensuite voyager là où le vent m'en amènera. Je crois que c'est celle-ci, n'est-ce pas? Non. C'est bien celle-ci. D'accord. Oh mon dieu, c'est infecté de monstre. Oui, elle n'a jamais été éclairée. Alors, je ne vais pas non plus tout détailler, puisqu'il s'agit de faits importants, voilà. Mais sachez que mon honneur a été atteint, et avec des accusations complètement farfelues à mon égard, et que cette brouille ne sera jamais résolue. Alors, je ne suis pas non plus un tyran ou pas de vouloir détruire absolument cette maison. Si elle doit rester là, elle restera là, il n'y a pas de souci. Mais sachez quand même, monsieur le maire, pour info, que vous aviez de mémoire, si vous vous souvenez bien, terminé le toit de cette maison. Vous. Car elle n'était pas fermée, et vous aviez fait fermer le toit de vous-même pour faire une vidéo pour la présentation de notre ville. C'est vrai, je ne m'en souviens plus. Donc si je... Vous aviez fermé ce toit, et cette même personne donc, à qui appartient ce bâtiment, ce bricodépôt ambulant, hein, puisque ça ne ressemble pas vraiment à une maison, je suis désolé, avait tout prévu et attendait en fait tout simplement que ce soit vous qui terminez cette maison. Donc je trouve ça absolument scandaleux. Oui, c'est d'une part scandaleux, je suis d'accord avec vous, mais... Pour quelle raison nous devons la détruire? Non, nous ne sommes pas obligés de la détruire. Je voulais simplement notifier que cette personne risque de ne plus revenir. Ou si elle revient, potentiellement de créer quelques soucis. Après, je ne suis pas dans l'obligation de demander sa destruction. Mais je trouve par contre qu'en termes de positionnement, elle gâche quand même un petit peu l'avenue. Quand on voit le positionnement des autres maisons qui sont plutôt... aligner celle-ci un peu au milieu de deux maisons, et je trouve que ça gâche un peu la vue. Dommage qu'on ne puisse pas la déplacer, comme dans la soupe aux choux. Est-ce que... Faire un coup et la déplacer avec une soucoupe, ça aurait été idéal, mais bon, ce n'est pas possible. Très Après, bien. Nous ne sommes pas obligés, mais voilà, je vous tenais à informer quand même de cette dispute qui, je vous l'annonce, ne sera absolument pas résolue, quelles que soient les excuses possibles. Je vous ai bien entendu, monsieur Anto, je fais juste une petite aparté de Twitch. Bonsoir, je vais essayer de faire de mon mieux pour arriver le plus tôt possible, nous dit Cyver. On t'attend, Cyver. Je fais également l'annonce qu'il y aura le vote du premier adjoint, certainement juste après cette Discord que nous allons régler. Donc, n'hésitez pas à rester sur le chat pour voter pour le premier adjoint, puisque c'est les viewers qui voteront pour le premier adjoint. Donc, vous aussi, élus et administrés du One World, vous irez sur le chat Twitch pour voter, bien entendu. Hein. Vous avez le droit de voter. Hein. Jacques Chirac, quand il se présente au présidentiel, il vote également. On est bien d'accord. Est-ce que les pommes ont voté pour lui? Les pommes, je ne sais pas. Mais Monsieur en tout le maire, cas, Jacques Chirac repose en paix, donc à moins qu'il puisse voter par le biais de Dieu et de Jésus, je ne vois pas comment il peut voter. Le biais des pièces jaunes. C'est lui qui avait créé ça, effectivement. C'est un grand homme et respectable. Très grand, effectivement. Mais respect, Monsieur Jacques Chirac. Dans ce cas, je me présente, sachez-le, dit Cyver. Nous avons déjà un candidat, effectivement. Très bien. Alors, vous m'avez dit, monsieur Anto, je voulais revenir sur vos propos. Donc, le créateur de cette immondice maison, qui est plutôt jolie, ça devrait joli, dire ce que joli sur l'avant, mais voilà, derrière, on est un petit peu sur un entrepôt, quoi. Très bien. Oui, ça fait un peu bricot-dépôt derrière, je reconnais. Est-ce que les PS5 ne seraient pas entreposés là-dedans, d'ailleurs? Peut-être. Il y en aura à Noël, ne vous inquiétez pas. Monsieur Donc, oui, attendez. Attendez, monsieur docteur Nintendo, nous traitons l'affaire de monsieur X. Donc, je voulais juste rendre hommage à Jacques Chirac en vous offrant cette pomme. Merci, vous êtes bien aimable. J'attends toujours les poires de Animal Crossing. Vous nous les avez envoyées?
Ah, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Merci beaucoup. Attendez, je vais virer des cailloux pour prendre votre pomme, par respect. J'ai pris votre pomme. Je vais virer les cailloux, moi. Merci bien. Donc, monsieur Anto, vous avez dit que monsieur, le créateur de cette maison, pourrait causer des problèmes s'il revient. Pourquoi ? Parce qu'il ne m'aime pas et qu'il a, on peut le dire, craché son venin sur moi. Donc, je n'ai pas envie que cela ait des répercussions sur la ville, sachant qu'il s'en foutait déjà un petit peu de venir en temps normal, même quand on lui proposait. Donc voilà. D'accord. Après, ce n'est qu'une supposition. Je ne veux pas commencer à rentrer dans l'affirmation. Oui, tout à fait. Je ne veux pas en savoir plus concernant les détails. C'est très très sympathique de nous faire part de ces informations, monsieur Anto. Moi, ce que je propose, c'est de transformer cette ville-là. On a juste à mettre tout en gris, on met brico dépôt et c'est résolu. Mais je suis d'accord. Voilà. Donc, symboliquement, monsieur Anto, je vous invite à venir retirer la plaque du propriétaire de cette ville-là. Alors là, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Il va s'en faire une joie. Voilà. Il ne sait pas faire attendre. Ça dégage aussi. Je pense qu'il est très heureux, vous voyez. Ah, très bien. On respire mieux. Pour lui, c'est Noël, avant l'heure. Ah, merci d'avoir rebouché. J'avais malencontreusement fait un trou alors que lui n'avait rien demandé. Venons voir si... Alors, monsieur Anto, venez, s'il vous plaît. Venez, bien sûr. Venez, s'il vous plaît. Je vous invite, monsieur Anto. Alors, attendez. Faut quand même dire que c'est regrettable, malgré tout. Je vous invite, monsieur Anto, à piller le coffre. Qu'il y a des trucs. De l'or, ça peut toujours servir pour les comptes aux Bahamas. Les comptes aux Bahamas, il a dit. Qui est là-bas ? Vastor ! Ah, Vastor a rejoint. Vastor nous a rejoint. Je le vois, il est là-bas. Il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez un lago en douce, voici. Hein. Ça peut toujours servir. Ah, vous pouvez donner. De vous la pouvez chair donner. Putréfiée. Venez, regardez. Voilà. Oh, mais c'est qu'il y en a beaucoup, dis donc. Ouh. Je bande. Servez-vous. Merci bien pour les lingots d'or. Ça me fait plaisir. Il a laissé les trucs dégueulasses, monsieur Anto. Bien sûr, je ne touche pas à ça. Période sanitaire au but, je ne peux pas toucher à ces trucs. Alors, sauf alors, parce que c'est plus intéressant. Est-ce que quelqu'un peut dire à Vastor qu'on est sur Twitch et qu'on est aussi sur le Discord. Vastor. Pas de live. Si, si. Vastor. Ah, il ne connaît pas la chaîne. On est sur Twitch. Et dès qu'il sera sur Twitch, on lui expliquera pour le Discord. En disant, viens. Puis-je faire une mauvaise blague, monsieur le maire ? Je vous en prie, allez-y. Parce que sachez que en voyant cet or, je bande. On ne sait jamais, hein, ça peut servir. Oui. Je pense pas que vous avez compris, mais bon. Attends, vas-y, redis-la. C'est que juste en voyant cet or, je bande. Merci, Chapuma. Voilà. Ok, j'ai compris la blague. Alors, on dit pas je bande, on dit je bande de l'arc. Non, non, je bande. Dans les deux sens du terme. Ah, je n'ai pas compris, mais... Arqué. J'avais mieux compris votre jeu de mots avec Chewbacca la semaine dernière, mais... Donc Vastor est sur le chat. Laissez-moi lui tendre de lui expliquer. Donc Vastor, allez-y. S'il te plaît, on commence par un petit follow parce que ça fait plaisir. Ensuite, Vastor, il faut que tu viennes sur le Discord. Je te donne le lien du Discord. Ici, on est en vocal sur le Discord. Parlez tous, s'il vous plaît, pour prouver qu'on est bien en vocal. Nous sommes bien en vocal sur le Discord. Bah, oui. Voilà. Oui. Ah oui.
Vous êtes, est-ce que vous faites partie de la famille de Julien Lepers? Merci pour le follow, Vastor, ça fait plaisir. Alors, le Discord, je lui envoie le lien du Discord. Voilà. Oui, il est déjà, ouais. Donc, tu peux venir en vocal pour discuter avec nous en direct dans ce Minecraft RP. Je t'explique, Vastor, nous avons des élections ce soir. Mais il faut qu'on attende quand même Cyver, parce qu'il se présente. Hein. Donc, tout le monde pourrait se présenter, bien évidemment. Tout le monde pourrait se présenter. La différence se ferait uniquement sur les viewers du chat Twitch qui prendront la décision. C'est que moi, vu que je démissionne, ce serait un peu con que je me représente. Ah oui, sauf Dr. Nintendo, donc peut-être que Dr. Nintendo fera la différence. Alors attendez, Vastor, il est où? Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le maire, est-ce que c'est un skin valide? Honnêtement. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette skin, mon dieu? Le truc, on dirait un paquet de Smarties, mais clignotant. Qu'est-ce que c'est que cette skin? Donc voilà, nous avons lavé l'affront, monsieur Anto, nous avons retiré la plaque. Nous avons, par contre, nous laissons l'habitation pour le moment telle qu'elle est. On pourra l'utiliser comme zone de stockage. Oh, pour... vous êtes bien gentil de dire zone de stockage, j'aurais dit débarras, mais bon. Débarras, comme Diver zone de débarras. Déchetterie. Cyver a rejoint. Cyver a rejoint, c'est parfait. Nous allons pouvoir débuter les élections. Messieurs... Oui. Mon skin n'est pas est autorisé, car, voyez-vous, j'ai ma robe en dessous, et vu que nous approchons de la fête de Noël, bon, nous sommes plus vers Halloween, mais là, on approche aussi vers Noël, j'ai mis des guirlandes sur moi. Très bien. Vous pouvez faire le sapin dans la mairie, faudra rester immobile. Alors, je vous explique, monsieur Arquet, j'ai l'impression de voir LMM FAO devant moi, et je trouve ça bizarre. Ah, voulez-vous que je retire les guirlandes, peut-être? Non, vous êtes très bien comme ça. Ça me... Vous êtes vous-même. Vous me faites... LMFAO. LMFAO. Allez, c'est parti. Messieurs, conseil municipal, tous à la mairie, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Oui. Puis-je passer d'abord, avant tout, chez moi, juste pour rassembler mes affaires? Ah oui, bien sûr, vous pouvez aller ranger vos affaires. Je vous en prie, monsieur Dr. Nintendo. Oui. Je vais recevoir tous les candidats. Ah oui. Alors attendez, moi, je vais essayer de prendre le métro pour une fois, parce que c'est bon, faut pas trop déconner non plus. C'est vrai que nous avons... Attendez-moi, monsieur le maire, je vous rejoins. Oui, nous avons un métro. Nous allons prendre le même wagon, j'espère. On ne peut pas. Ah mince. Est-ce que quelqu'un peut me fournir un wagon, s'il vous plaît? Je suis très triste. Oui, monsieur le maire. Ah, mais normalement... Il y en a plus. Il y en a plus ici. Je vous en donne. Je suis madame chef Puma. Je suis un compagnon. Vous êtes changé, là? Ah oui. Alors, Vastor, si tu nous entends... J'ai mis une nouvelle robe. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. J'en mets pour tout le monde, allez. Il en met pour tout le monde. On va tous à la mairie en métro. C'est parti. Allez. Allez. Mais... Merci à tous à la mairie. Je crois que c'est ici, si je me trompe pas. Non, ça c'est l'avenue du Big Wham. Bah je vais y aller à pied. Je crois que Dr. Nintendo n'a pas eu... une carte. Bah on y va à pied. What? Quoi? Viens Anto, il y en a un là. La mairie est ici, parfait. Monsieur Arquet arrive, très bien. Mon wagon! Monsieur Anto arrive également. J'ai cherché votre wagon, monsieur le maire. Avec Dr. Nintendo juste derrière. Voilà. Bon, tant pis, je l'envoie. Ça fait plaisir d'utiliser ce métro, quand même. Hein. Mais où est chef Puma? Je ne sais pas. Bon, toi, fous le camp. Ah, il se fait attaquer. Ah, monsieur Cyver est là, c'est parfait. Je m'en vais ne pas l'aider.
C'est bon, ben voilà. Non, j'ai fait un petit footing pour venir, en fait. Attendez-moi. Vous allez transpirer sous cette robe avec ce footing, attention. Oh. Vous en pensez quoi, monsieur le maire? Je me suis changé. Attendez, je suis en train d'envoyer un SMS. Et ah, ensuite, je réponds à votre question parce que je ne vous vois pas, en fait. Puisque le clavier est juste devant vos habits. Pourtant, nous ne pouvons que le voir. Que le... La... Tous à la mairie, tous à la mairie, tous, oh là là. Tous à la mairie. Et vous êtes magnifique, madame, monsieur, madame, chef Puma. Merci, merci. Très bien. Alors, du est-ce coup... que monsieur Siver, est-ce que monsieur Vastor est à la mairie aussi? Je ne crois pas. Attendez. Je m'en vais le repérer. Allez le repérer, s'il vous plaît. Sinon, on peut le faire pop. Monsieur Siver est présent. Monsieur, oui, madame chef Puma est présent. Monsieur Anto est présent. Oui, monsieur Arquet. Je suis juste au-dessus, j'arrive. Je vais voir si Vastor est là. Oula, il est peut-être très loin, je ne sais pas. Où est Vastor? Vastor est toujours à son emplacement d'origine. Il n'a pas bougé, je crois. Il ne bouge pas? Est-ce qu'il nous entend? Il n'a pas débloqué son micro. Je vais lui envoyer un message comme quoi, s'il a son micro... Micro ou pas micro? Vastor le castor. Et Puma, tu es... incroyable. Je cherchais l'endroit de la tête d'Arquet, je ne trouvais pas, je ne l'ai pas trouvé. J'en ai pas. Arquet est tellement... Non, je vais pas faire cette blague sur Twitch. Vaut mieux pas. Je suis un maltaiseur. En tout cas, il ne devrait pas être là. Comment ça, je ne devrais pas être là? Donc, comment allez-vous, monsieur Siver? Je ne vous ai pas salué. Allez, c'est reparti. C'est critique. Ah, mais non! Vous êtes un. Vous êtes la honte du One World, monsieur Dr. Nintendo. Pendant que monsieur madame chef Puma fait ses étirements, vous faites des trucs obscènes. Monsieur le maire est très insatisfait de vos actes, sachez-le. Merci bien. J'étais pas consentante en plus. Et vous étiez pas consentante. Il manque quelqu'un devant, hein, mais bon. Vous me rajouterez ça comme 16e chef d'inculpation. C'est parti. Pour monsieur. Ah oui, je les viole. Oui, tout à fait. Quand vous serez jugé, monsieur Docteur Nintendo, vous allez prendre cher, je vous le dis. Pour ma défense, chef Puma a rigolé de mon acte. Vous perdez également votre impunité diplomatique. Sachez-le, vous êtes au courant, hein, en démissionnant, très bien. Je sais très bien. Monsieur Docteur Nintendo, vous allez passer de d'homme d'État à pur malfrat. Il ne trouve pas la mairie, est-ce que vous pouvez le... Vastor ne trouve pas la mairie, est-ce que vous pouvez le faire téléporter, s'il vous plaît? Je vais user de ma magie noire. Merci beaucoup. Oh, pas aussi noir qu'Arquet, mais quand même pas mal. C'est aussi ça, je reconnais. Ah, monsieur Vastor est là, c'est très bien. Bon, je tiens juste à dire une chose avant que vous commenciez. Désolé, monsieur le maire. Homme d'État et malfrat sont un peu des synonymes, non? C'est pas faux. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde est présent? Docteur Nintendo, chef Puma, Anto, Arquet. Tout le monde est présent, très bien. Bien le bonsoir, mes chers élus et administrés du One World. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre aujourd'hui. Il s'agit de la démission du premier adjoint au maire, monsieur Docteur Nintendo. C'est une véritable honte, mais je respecte son choix. Sachez que c'est un poste extrêmement difficile à occuper au vu de la tentative d'assassinat qu'il a subie la semaine dernière.
Un grand merci pour tous ces efforts. Mais maintenant, c'est vous, administré du One World, qui allez approuver ou pas sa démission. Je vais vous demander d'aller voter, s'il vous plaît, dans la salle des votes sur la gauche, pour savoir si vous acceptez oui ou non sa démission. Je vous remercie. Les votes sont ouverts. Je peux voter, monsieur le maire ? Mais bien sûr, vous pouvez voter, effectivement. Alors, où est le 8 ? Je vote pour. Nous attendons monsieur Vastor qui décide d'aller voter. Très bien. Monsieur Saver décide de voter blanc. Très bien. Mon vote sera effectivement, j'ai bien compris, monsieur Saver. Je vous remercie. Monsieur Anto et monsieur Vastor sont contre la démission de monsieur Dr Nintendo. Monsieur Arquet, monsieur Dr Nintendo, monsieur Chef Puma ont décidé de voter pour monsieur Dr Nintendo. Vous devenez un simple homme et administré du One World à partir de maintenant. Messieurs, la séance est levée. Je vous remercie. Je vais vous demander de vous rediriger devant le pupitre, s'il vous plaît. Merci bien. Messieurs, nous n'avons plus de premier adjoint à partir de maintenant. Je vais vous demander de défiler un par un dans mon bureau pour savoir si vous êtes candidat ou pas à la succession de monsieur Dr Nintendo en tant que premier adjoint au maire. Premier prétendant, si vous voulez rentrer. Ouais, personne n'est déterminé pour y aller. J'y vais. Moi, je me présente pas en tout cas. Bonsoir. Bonjour, monsieur Saver. Vous êtes, si vous êtes là dans ce bureau, c'est que vous êtes prétendant à la succession de monsieur Dr Nintendo. Exactement. Très bien, je note. Dites-moi juste quelles sont vos motivations en une phrase. Je souhaite redonner du peps à cette ville. C'est très respectable, je vous remercie. Les viewers devront juger votre propos dans le vote. Merci. Merci bien, monsieur Saver. Monsieur Arquet se présente également, j'imagine. Monsieur Arquet, quelles sont vos motivations pour prendre la succession de monsieur Dr Nintendo ? Notre ancien adjoint était, ma foi, très intéressant. Mais je ne pense pas qu'il était à la hauteur des nouveaux qui se présentent. Des nouveaux... Pourquoi une vache ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais d'où elles sortent, ces vaches ? Il y a des vaches qui sont apparues. Très bien. Donc, allez-y, continuez. Et je compte, vu ce qu'il nous avait fait, je compte rattraper ses erreurs et savoir qui est la personne qui a voulu faire une tentative d'assassinat sur lui. Très bien, c'est très respectable et c'est très bien dit, monsieur Arquet. Je vous demande de quitter les lieux, votre candidature est validée, comme celle de Saver. D'assassiner d'abord les poules qu'il y a. Qui c'est qui fait popper ces animaux là ? Nous sommes dans un KFC apparemment maintenant. J'ai bien l'impression. Qui se présente ? Anto. Je sais pas, j'attends de voir s'il y a des autres prétendants. Est-ce que Vastor veut participer ? Non ? Bon, on va y aller alors. Mais qui c'est qui fait popper des vaches, bordel ? Bon, c'est une mairie, c'est pas l'amour, et dans le pré ici, hein. Non, mais c'est clair, c'est déconné. Bonjour, monsieur Anto. Bonjour. Alors, alors, je voulais pas faire une discussion avec une vache, mais enfin. Déjà, j'étais très surpris par cette démission, c'est pour ça que j'avais voté contre, puisque j'estimais que... La période actuelle était plutôt bonne, mais bon. Je vais pas m'étendre très longuement. Je souhaite participer
et postuler pour l'adjoint au maire, tout simplement pour continuer à faire prospérer le Homeworld et que les habitants s'y sentent au mieux possible chaque jour et à chaque fois qu'ils viendront sur cette dans cette ville, tout simplement. Je n'ai pas préparé de discours autre, hein, parce que c'était assez inattendu. C'est de l'improvisation et vous êtes doué pour cela, monsieur Anto. Et sachez que j'apprécie votre candidature. Merci beaucoup, monsieur Anto. Mais qu'est-ce qui... C'est l'Arche de Noé, ce bureau, sans déconner. Ça doit être de la magie noire. Ça se part en cacahuète, en plus. Ma manette ne répond plus. Au secours. Mais c'est quelqu'un qui fait pomper ses trucs, c'est pas possible. Il y a des dauphins dans mon bureau, bordel de merde. Oh, celui-là, il est mignon, je le garde. Ensuite... Il y a d'autres prétendants. Est-ce qu'il y a d'autres prétendants? Je crois que c'est terminé, monsieur. Donc c'est terminé, très bien. Je vais lancer le vote dans le chat Twitch. Alors je ne sais pas combien de réponses je peux mettre. Donc déjà, on va mettre un poll. Monsieur. Alors, question... Les votes sont anonymes, j'imagine. Oui, tout à fait, bien entendu. Bien sûr. Alors, qui... Pour premier adjoint. Alors, qui pour premier adjoint? Allons-y. Alors, nous avons... qui est venu en premier? Je vais les mettre dans les ordres de passage. C'est moi. Siver qui est venu. C'était Siver le premier. Très bien. Siver. Ensuite... Arqué. Arqué, très bien. Ensuite, Anto. Et c'est tout, hein, on est d'accord. Mm-hmm. Je vais mettre un vote de 10 minutes. Donc, tous les coups sont permis. Ça veut dire que si vous avez de la communauté, n'hésitez pas à envoyer des SMS, à dire « Viens voter pour moi !» Je m'en fous. Moi, ce qui compte uniquement, c'est les votes. D'accord ? Donc, je vous annonce tout de suite, tous les coups sont permis. C'est des élections traficotées, clairement. Je m'en fous. Tous les votes comptent. Dans le bon respect de la politique. Quel qu'il soit, tous les votes comptent. On fait du vote simulator. Ça veut dire que même dans la vraie vie, ça se passerait comme ça, de toute façon. Je lance le sondage. Qui pour premier adjoint? Au maire, je vais mettre. Adjoint au maire. Monsieur le maire. Attendez, monsieur Arc. Donc, Saver, Arqué, Anto... Attention, 10 minutes pour les votes. Je peux pas mettre plus, c'est le max. Je commence le sondage. Attention, 3, 2, 1. Les élections du One World commencent. Très bien, nous avons 10 minutes. Vous pouvez faire campagne, allez-y. Si vous connaissez du monde... Boum, vous leur dites de venir sur le chat. Ils ont juste à voter, hein, pas besoin de follow ou quoi que ce soit. Ils trouvent juste le sondage et ils votent. Je m'en fous. C'est des élections publiques. Alors oui, monsieur Arquet, je vous écoute. Pourquoi il y a autant de morts dans votre bureau? Déjà. Je sais pas, il y a des animaux qui ont popé, je n'ai rien compris. Alors déjà, votre bébé dauphin est mort. Pardon ? Je ne sais pas pourquoi, mais il serait mort. J'ai pas entendu. Qui est mort ? Le dauphin. Ah, mon dauphin préféré, il était mignon, il était sous la table. Il a disparu. Quel dommage. Vous faites ça avec des dauphins, monsieur le maire ? Non. Mais c'est qui me parle ? Il y a personne. Je suis derrière votre fenêtre, monsieur le maire. Je parle tout de même assez fort. Ah non, oui, je vous entends, monsieur docteur Ditendo. Vous me disiez quoi? Je demandais si ce dauphin était souvent sous votre bureau. Et qu'est-ce que ça fait, s'il est sous mon bureau? C'est juste pour savoir si c'était un dauphin fourré le soir.
Non, 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 non. Je ne mange pas de ce pain-là, monsieur Dr. Nintendo. Il y a un vrai problème d'isolation, par contre, hein, si on entend à travers. C'est pas normal. Ah non, mais aucun bâtiment n'est isolé ici. Ah! Aucun bâtiment n'est isolé, m'ont dit. Donc, mais monsieur Arquet, continuez, continuez, monsieur Arquet. Tout d'abord, que pensez-vous de mon nouveau bonnet? Je le trouve très beau, il me fait penser à Bob Marley. Exactement, je suis son plus grand fan. Très bien. Et tout d'abord aussi, ceux qui votent pour moi, ils ont un voyage en Martinique, tout frais payé. Je n'influence pas le choix des gens. En Martinique ou en Jamaïque? Parce que ça finit par ic, mais... Martinique. En Martinique, d'accord. J'aime beaucoup la Martinique. Est-ce que vous pouvez faire l'accent martiniquais, s'il vous plaît? Non. Non. D'accord, très bien. Pourquoi pas? Très bien. Mais du coup, c'est tout. Je vais mourir comme Michael Jackson en Moulouk. Alors, messieurs, l'heure est grave. Nous sommes en plein vote. Et il reste 8 minutes. Très bien, que faites-vous dehors? Donc, on a réglé le problème. On a réglé le problème de la maison. On a réglé le problème du premier adjoint. Est-ce que ça vous intéresserait, messieurs, d'aller faire une petite visite du zoo? Écoutez, oui. Monsieur Docteur Nintendo, vous voulez participer ou pas, vu que vous êtes en vacances? Justement, je m'apprêtais à partir dans... Ah ben oui, j'imagine bien. Vous voyez, je me suis occupé de mon cheval. Je suis occupé de mon cheval et je me suis payé ceci avec les salaires d'adjoint. Avec le salaire d'adjoint, carrément. Pour ne pas dire détournement, mais... Ça s'appelle un abus de biens sociaux, monsieur Dr. Nintendo, ceci. Il y a moyen que je parte avec vous, le premier adjoint? Pour quelle raison, monsieur... Ex. Je ne sais pas, comme ça. Ex. C'est vrai que de la compagnie me ferait pas de mal. Mais ce serait... Oui. Parce que moi, ça me ferait changer d'air un petit peu aussi. Vous n'êtes pas bien avec nous, monsieur, madame, chef? Ah, mais si, complètement, mais c'est bien de partir en vacances. Ah, très bien, très bien. C'est un accent, Christophe, fais gaffe. N'oubliez pas que vous êtes adjoint du premier adjoint. Comment? N'oubliez pas que vous êtes premier adjoint du premier adjoint. Oh, mais c'est pas grave, je prends mes vacances aussi. j'ai le droit à des vacances, faut me dire. Comment on appelle le syndrome quand quelqu'un s'attache à son agresseur? De Stockholm. Le syndrome de Stockholm, effectivement. C'est un peu ça, je pense. Je pense que c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Attention, parce que vous allez finir dans son lit. Hein. Oh là, c'est peut-être dans l'optique d'un coup encore manigancé ou je ne sais quoi. Oui. Non, alors attention, je préviens dans le chat, nous avons un vote en cours, s'il vous plaît. Pensez à voter pour le premier adjoint, s'il vous plaît. Le premier adjoint au maire. Nous avons 3 candidatures, celle de Anto, Arquet et Saver. N'hésitez pas à voter dans le chat, s'il vous plaît. Très bien, je vous souhaite de bonnes vacances, monsieur, madame, chef Puma, avec Docteur Nintendo. Partez en métro. Ramenez du sable des Bahamas, hein, quand même. Hein. J'ai pas de cheval, par contre, alors je vais aller en courant. Elle reviendra avant moi, monsieur le maire. Très bien. Et monsieur, madame, chef Puma, mettez de la biafine entre les cuisses. Merci, au revoir. Ça ne suffira pas, monsieur le maire. Elle aura besoin de quelques années à l'hôpital. Allez, on y va. Je veux vous voir partir pour la scène, s'il vous plaît. Monsieur le maire, je voulais juste, avant toute chose, m'agenouiller une dernière fois devant vous. Que ça allait tout de même me manquer, monsieur le maire. Je vous remercie. Et je vous salue. Je vous remercie, monsieur Docteur Nintendo. J'ai beaucoup apprécié votre travail. Bon, moi, c'est ça, c'est boité, ça.
Très bien. Est-ce que je peux vous voir partir ensemble, s'il vous plaît? Bien. Moi, je te le dis, docteur Nintendo, moi, je vais te fouiller du cocotier. Je vous souhaite de bonnes vacances, messieurs. J'aimerais bien. Et madame. Oui, je m'y malaise. Monsieur, madame, au revoir. Et monsieur, au revoir. Au revoir, monsieur le maire. Passez de bonnes vacances. À très bientôt. À très bientôt, monsieur le maire. Enfin, débarrassé d'eux. Ah ben, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ça, mais ça fait du bien quand même. Hein. On est libéré. On est libéré, les gars. On est libéré de ce dictateur. On peut faire la fête, là. On est libéré de ce dictateur. Allez. Ah, je vois qu'Arki a pris des vacances aussi. Il a fait de la chirurgie esthétique. Ah, mais maintenant, je suis gouin. J'ai Carvassi. Monsieur Anto, est-ce que vous voulez venir au zoo avec moi, s'il vous plaît? Oui, allez-y, on peut y Monsieur aller. Monsieur Arke, vous êtes disponible pour du terraforming ou pas? Ouais. À votre rythme, hein, parce que vous êtes jamaïcain, donc je sais que vous travaillez à votre rythme. Hein. Ah, mais non, mais moi, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très bien. Allez, venez avec moi, s'il vous plaît. Il était honteusement déplacé dans un autre chat. Où sont les prostituées du théâtre? C'est pour un pote. Alors, monsieur Vastor, les prostituées sont en vacances. Alors, allons au zoo. Il reste à peu près 2 minutes pour les votes. N'hésitez pas à voter pour le premier adjoint. Que je paye un voyage en Martinique pour ceux qui votent pour moi. Tout à fait, tout à fait. Ah, monsieur Saver est avec nous, j'avais pas vu, pardon. Ah bah il est avec nous, c'est bon, il s'est mis avec nous, c'est très bien. Parfait. Oui, j'étais honteusement déplacé. Oui, 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 tout à fait, parce que vous étiez plus avec nous, c'est pour ça. Je suis parti chercher quelques de gâteries pour... Très bien. Alors allons-y, direction le zoo. Va falloir trouver... Alors, on avait dit que l'entrée, elle est là-bas, mais on n'a qu'une entrée de... On n'a qu'une entrée par métro, en fait. Hein. Va falloir trouver une entrée principale ou créer un pont, quelque chose, qui pourrait mener au zoo directement par le jardin du palais, je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait faire un pont aménagé au... Enfin, je sais pas là, si par exemple, un espèce de ponton, là, qui partirait d'ici... Et qui passerait entre les deux pylônes en face. Parce que là, c'est vrai que pour accéder... moi, j'avais commencé le trou du tunnel. Je vais venir. Venez, suivez-moi, messieurs. Et du coup, au niveau du ponton, il faudrait le décaler un petit peu plus sur la droite. Oui, oui, tout à fait. Parce que faut que ça passe entre les deux poteaux. On pourrait essayer la voie ferrée derrière le palais. Alors là... Une déviation qui partirait directement au zoo. Peut-être, oui. Je suis tout à fait d'accord, monsieur Saver. Monsieur Vastor, la piscine municipale se situe au nord. Les votes sont terminés, messieurs. J'annonce officiellement l'élection de monsieur Saver à 57% des votes. La majorité absolue est atteinte. Puisque, sachez que s'il avait eu moins de 50%, il y aurait eu un second tour, forcément. Si vous avez été, si vous avez fait un peu des cours d'éducation civique, ça, on appelle ça un scrutin, un suffrage universel au scrutin direct ou indirect. Direct ou indirect? Direct. Très bien, messieurs, vous avez été très studieux. Je vous en remercie. Vous avez écouté pendant les cours d'éducation civique. Ça me fait plaisir. Puisque j'ai été élu, je souhaite vous offrir cette bière provenant tout droit de ma taverne. De votre taverne? Ça me fait plaisir. De ma production en personnel. Alors, je vais virer des items qui me servent à rien pour boire votre bière.
Ouais, moi aussi, je veux bien une bouée, une bière. C'est peut-être pas le maire. Oui, mais je suis bosseur, moi. Je suis bosseur, il a dit. Alors, monsieur Cyber... On verra ça quand j'aurai pris mes fonctions. Monsieur Cyber, vous êtes élu pour 2 mois. Bien entendu. Très bien. Donc, nous sommes le 16 octobre 2021. Vous êtes élu jusqu'au 16 décembre 2021. Vous gardez vos droits de créateur pendant ce mandat, pardon. Et si jamais vous n'êtes pas réélu, ça sera le premier adjoint au maire qui décidera de vous faire garder vos droits de créateur ou non. Est-ce que vous avez bien compris, ouais. Monsieur Saver? Maintenant, oui. je vous propose, est-ce que vous avez plusieurs bières? Parce que ça serait sympathique d'en offrir une à Monsieur Anto. J'ai mes productions qui sont un peu tristes ces dernières... D'accord, très bien. Écoutez, ce n'est pas grave, on s'arrangera avec un, c'est avec pas un grave. Soda, ça passera très bien. Très bien. Sachez, Monsieur Saver, en tant que premier adjoint... En tant que premier adjoint... Elle est violente quand même cette... Mais ça veut dire qu'il ne sait pas nager. Vite, faut le sauver. Allez le sauver, monsieur Arquet, j'ai pas que ça à faire. Ouais, moi aussi je sais pas nager. Ah ben voilà, ben tant mieux. Quelle horreur, il a dit Vastor. Saver. Ah, Saver, pardon. Monsieur Saver, en toute transparence, je tenais à vous dire que je n'ai pas voté pour vous. Mais je vous fais totalement confiance. Oh. Très bien. Est-ce que vous m'en voulez? Moi, monsieur le maire. En ce cas, je respecte votre... Vous respectez votre choix et j'essaierai de faire de mon mieux pour convaincre. Merci, merci, monsieur Saver. Vous avez donc les pleins power. Très bien. Alors, venez, je vais vous montrer. Ici, c'est le niveau 0. C'est donc le niveau 0 ici. Et le début... De l'entrée du métro est ici. Je vais vous montrer aussi. Veuillez descendre les escaliers, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Voilà. Est-ce que vous avez vu le tunnel? Il est à peine... Il est juste construit, quoi. Oui, monsieur Arquet, je vous écoute. Vous avez déjà... Est-ce que vous avez voté? Oui, oui, j'ai voté, bien sûr, bien entendu. Vous pourriez dire... vous pourriez dire qui vous avez voté? Oui, je n'ai pas peur d'annoncer mon vote, monsieur Arquet. J'avais voté pour monsieur Anto, par ancienneté, bien entendu, et bien sûr le fait qu'il était déjà premier adjoint. Donc cela va de soi que j'ai voté pour lui. Je suis désolé, monsieur Saver, mais... Écoutez, vous faites bien ce que vous voulez. Je n'ai aucun pouvoir sur vous. Je lui fais confiance, je pense qu'il fera du bon travail. D'ailleurs, en parlant d'adjoint, comment ça se passe? Je dois l'élire Oui, tout à fait. Donc en fait... Très bien, Anthony. Voilà. Vous êtes élu. D'accord, parce que... Alors, je voulais savoir, monsieur le maire, justement, parce qu'il y a un quiproquo. C'était 15 jours, je crois, lors de la prise de pouvoir avec le discours de Dr Nintendo, vous aviez fait une surprise à Chef Puma et à moi-même, sauf oui. que Chef Puma avait refusé ce rôle, cette surprise. Vous avez parlé d'un rôle d'adjoint en premier adjoint et d'un membre créatif à vie, mais est-ce que ce à vie est remis en question du coup par le poste ou pas? Non, vous l'avez mérité. D'accord, merci. Vous l'avez mérité, mais attends, mais je n'ai pas fini. Excusez-moi. Monsieur Anto, je n'ai pas fini. Vous l'avez mérité, ce poste de créateur. Mais si un premier adjoint décide de vous l'enlever, je ne pourrai rien faire. Sachez-le. Pas de soucis, voilà. Pas de problème. C'est à la guise du premier adjoint pour tout ce qui est rôle de modérateur, comme pour Monsieur Saver, qui n'est plus sous la coupe de Monsieur Dr Nintendo, donc devait perdre normalement son attribut de créateur. On est d'accord.
puisqu'il était lié à Dr. Nintendo. Mais comme il est passé lui-même premier adjoint, il a droit au mode créateur en tant que premier adjoint. Donc, comme je l'avais dit à Monsieur Saver, une fois que un nouveau premier adjoint sera élu, c'est ce nouveau premier adjoint qui décidera s'il garde le mode créateur ou pas. Bien. Cela va dans le même sens pour vous. Là, Monsieur Saver a décidé de vous garder en créateur. Je le remercie. Bien entendu, cela va de soi. Merci bien. Alors, bon, le tunnel, je pense que c'est pas prioritaire. De toute façon, le trou est fait jusqu'au métro. Ce qu'il faut, c'est juste embellir et aplanir et vous savez quoi. Hein. Très bien. Je vois que Monsieur Docteur Nintendo est en train de construire à tout va. Alors, ce que je vous propose... Il supervise peut-être les travaux de sa demeure Obama. Ça. Ah, peut-être, effectivement. Avec l'argent public. Avec l'argent public du One World, peut-être. Sûrement gagné, évidemment. Donc, je vous annonce, Monsieur Saver et Monsieur Anto... Vous avez l'autorisation de construire ce zoo en full créatif. Sachez-le. Très bien. Voilà. Alors, par rapport à ça, j'ai plus mes droits parce que j'ai, entre guillemets, changé de compte. Il faudra juste que je les récupère. Ah, pardon. Il fallait me le dire c'est avant, monsieur Saver. Je ne voulais pas vous couper tout de suite. Ah oui, attendez. Monsieur Saver... Hop, en mode opérateur. Voilà, c'est fait, monsieur Saver. Merci. Mes respects. Très bien. Alors, il faut aplanir. Donc, il faut aplanir au niveau des piquets, là. Hein. Après, on verra bien. Bien évidemment. Vous voulez pas qu'on remonte le niveau ? Qu'on garde un niveau... Eh ben, on avait dit que c'est... Ça va faire très... Et je sais pas, parce que... Ça va faire un gros trou, hein. Moi, je vous ai écouté, en fait, hein. Vous m'avez dit qu'il fallait aplanir d'ici. Mais c'est pas plus mal, moi, je dis que ça serait bien de le mettre dans un... Ça fera des murs, en même temps. J'ai une idée. Là, c'est la sortie du métro, on est d'accord, hein. Oui, tout à fait, ouais. C'est la sortie du métro, aussi. J'ai une idée de mise en bouche pour l'entrée du parc, mais je sais pas si ça va passer, en fait. Donc, genre, tu vois, donc l'entrée, elle serait par là. Donc, logique, enfin, pareil, dans les alentours ici, quoi. Faire un tunnel marin avec des... Tu vois, genre, sur les côtés, tu mets carrément un aquarium, quoi. Tu vois, et tu passes dessous, en fait, et tu ressors à l'entrée. Succulent. Bon, compliqué, mais succulent. Ah, après, c'est ça. Le problème, c'est faut voir la taille, par contre. C'est ça, le... Eh oui. Et vous êtes sûr de vouloir le faire ici, votre zoo ? On avait trouvé une zone très, très grande, très, très verte, à un autre endroit. Non. Ouais, mais non, c'est... Non, c'est une attraction, ça. Là, on est sur un zoo, deux, monsieur Saver. Oui, effectivement. Le parc d'attractions, c'était derrière le village, si je me trompe pas. Le village abandonné. Non, plus loin que ça. Attendez, je vais vous montrer. Suivez-moi. Un petit peu plus loin, j'imagine. C'était un peu plus loin, effectivement. D'accord. Non, mais ça, c'est un projet à venir. Monsieur le maire, j'ai été missionné pour bâtir un pénis spatial. C'est pour cela que j'ai des milliers de blocs. Très bien. Okay. Je comprends bien. Bon pénis spatial à vous. J'ai seulement peur qu'on soit trop enfermé dans ce... Et je ne sais pas ce que ça peut donner. Moi, je trouve que pour éviter que les animaux s'échappent, c'était une bonne initiative. Mais il faut toujours faire des enfants, monsieur. C'est pas le problème. Si vous le sentez, je vous suis. On est bien d'accord qu'il faut creuser jusqu'au piquet rouge, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. Ok. Voulez-vous que j'utilise les pouvoirs de divination pour... faire gagner du temps. Ah oui, vous avez les pleins pouvoirs, je vous ai dit, monsieur Saver, en tant que premier adjoint du One World. Et concernant les projets, plein pouvoir. Plein power, j'ai dit. Plein power. Mission plein sujet, power. Il y aura peut-être, monsieur Saver, une modification d'une maison.
Ah oui, ça j'en ai entendu parler. Voilà, non, on verra ça pour plus tard. Hein. Non, non, pas forcément, mais juste de l'aménagement. Mais... Très bien. Mais, zombies, là. Ils vont mourir. Bah. J'espère que Dr Nintendo va pas mettre son temps libre à profit pour jouer eFootball, là, parce que c'est une perte de temps. Je pense qu'il va découvrir des nouvelles planètes. C'est un travail chez soi que de jouer à cette étron. Mais pour un jeu gratuit, je tiens à dire que j'ai fait quelques parties quand même, hein, personnellement. Qu'en avez-vous pensé de cette version qui n'est même pas en 1.0 ? Tout à fait, mais franchement, je tiens à vous dire que pour un jeu gratuit, quand c'est gratuit, c'est dans mes prix. Allez-y. Effectivement. Et pourquoi pas ? Si tu joues qu'avec des équipes sous licence, bien entendu. En sachant qu'il y avait toutes les équipes dispo en ligne et qu'elles ont été retirées. Pardon, je n'ai pas compris. Toutes les équipes qui étaient présentes dans le mode online, qui étaient cachées, mais présentes en ligne, ont été retirées. Il n'y a donc que 9 clubs jouables, même en ligne. Ah, je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Avec la probabilité aussi que la FIFA fasse son propre jeu. Donc, oui, c'est pour ça qu'il vaut... Oui, effectivement, c'est parce que j'ai vu que FIFA 22 allait changer de nom. Parce que je pense que... C'est pas officiel, mais ils pensent à changer, je pense. Ben oui, si la FIFA décide de créer son jeu, ils donnent plus l'autorisation à Electronic Arts d'utiliser le mot FIFA. Et à partir de là, les gens vont être... trompés. Puisqu'ils penseront acheter le FIFA 2023, mais qui ne sera pas par Electronic Arts. Et ça sent le touquet derrière, quand même. Hein. Ah, le touquet carrément. Ah, ouais, c'est costaud, la alors. La FIFA a pris des renseignements pour... Alors, c'est costaud, monsieur Anto, je tiens à vous le dire. Les développeurs, donc ça peut être FIFA, comme ça, enfin, touquet comme Epic. C'est costaud, si c'est touquet, c'est costaud. Ils font pas de la merde, touquet. Ah bah là, ça va changer, oui. Mais ça va être un vrai bordel pour les licences, par contre. S'ils auront la licence FIFA... Parce que, ouais, mais le problème, c'est que c'est pas adaptable à toutes les équipes, en fait. La FIFA, elle est là que pour ses droits de compétition et des équipes nationales, surtout, entre guillemets, et les joueurs. En Italie, par exemple, ils négocient au cas par cas les clubs. Les clubs veulent être présents ou pas. C'est pour ça qu'il manque une tonne d'équipes en Serie A, alors que le championnat anglais est complet, parce que c'est des packages pour certains championnats et d'autres, c'est du cas par cas. Eh oui, j'imagine bien. Passe une bonne nuit, Vastor. Merci d'être passé. Merci pour le follow. Ouais, non, j'imagine bien. Mais bon. Après, sinon, il y a un autre... j'allais dire Rockstar, mais non. Avez-vous entendu parler du gameplay du GTA Trilogy ? Non. Par contre, je suis fortement déçu parce que au début, il parlait d'un GTA Remake. GTA Trilogy Remake. Et finalement, ça s'est transformé en... C'est entre le remaster et le remake. C'est pas un remaster et c'est pas un remake. Et d'ailleurs, le gameplay archaïque des anciens GTA va prendre le gameplay de GTA V. D'accord. Donc les trois GTA vont avoir normalement le gameplay de GTA V. Mais graphiquement Graphiquement, il y aura un upscale au niveau des jeux de lumière et des textures en haute résolution. Alors, comme c'est l'Epic Games... l'Unreal Engine... on aura peut-être plus de texture en bloc. Mmh. Sera peut-être plus lisse, plus arrondi. Enfin, j'espère, parce que bon, moi, c'est le gameplay qui me posait problème, personnellement, pour notre époque. C'est pas mal, vous me rassurez, monsieur Anto. Ça donne envie. Par contre, le prix, il donne moins envie, si c'est ce que j'ai lu. Ça va être 60 balles, hein. Ça va être un jeu complet, quoi. C'est très cher, quand même, pour un remake master, on sait même pas comment ça s'appelle exactement. Eh oui. En plus, ils ont retiré les anciennes versions du store. Ouais, donc ça va arriver vite, je pense. S'ils ont été virés, c'est que c'est déjà prêt, je pense.
Mais ça m'intéresse quand même. Oui, oui, ça m'intéresse. Il y a le gameplay d'aujourd'hui. C'est intéressant. Il y a plus parce d'excuses que... quoi, pour les jeunes qui ne l'ont pas fait. Il y a plus d'excuses. Oui, et après, bon, graphiquement, j'espère qu'il y aura quand même ouais, déjà les personnages. Le personnage jouable. C'est très beau ce que vous faites, monsieur Saver. J'apprécie beaucoup. Hein. Je finis. Mais je reviens. J'en ai pour 2 minutes. Ah ouais, non, mais c'est génial ce que vous avez fait. Vous nous avez fait gagner un temps fou. Oui. Que les moufles de Karl, ça va 5 minutes. Oui, voilà, j'espère qu'au moins le personnage jouable sera ben, remodélisé en entier, quoi. Bah, ce qui me fait pour... Vu que c'est pas un remake et que c'est pas un remaster, je me dis qu'ils ont quand même fait des choses dessus, parce que sinon... Ils ont, à mon avis, ça fait déjà plusieurs mois, hein, qu'ils sont, voire plus d'un an qu'ils sont dessus. Ça expliquerait tout le bazar qu'il y a autour de GTA 6 et de GTA 5 qui est tout le temps repoussé et compagnie. Ouais. Et ouais, j'imagine bien. Merci beaucoup, monsieur Arquet, pour le coup de main. Oh là là, on a fait tomber des trucs, là. Merci. Il y a du stock, là. Hein. Allez-y, servez-vous, monsieur Arquet. Mes objets. Ah, c'était votre coffre ? Bah, il y a des affaires à moi et il y a du sable que j'avais creusé il y a fort longtemps. Je vais essayer de me renseigner un petit peu plus. J'attends le premier visuel pour ce GTA. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je pense que en tant que en tant que joueur qui apprécie les GTA, je pense que je ferai partie de. Faut pas oublier que s'il n'y a pas de GTA... J'avais envie de dire pigeon, mais c'est vrai que GTA, quand même, quoi, que Rockstar respecte ses joueurs. Donc quand t'achètes un jeu... C'est quand même un jeu, on met le plein pot, quoi. Ouais, donc quand t'achètes un jeu Rockstar, t'es pas forcément un pigeon. Donc à voir. Mais j'attends de voir, ouais. Mais moi, il faut que je vois du gameplay. Voilà, franchement, aux dernières infos, j'avais vraiment cru que c'était... que c'était vraiment les versions en fait qu'on avait eu en HD, que c'était vraiment que des remastered quoi. Ça aurait pas été très logique dans un sens, parce que genre si c'est juste pour mettre un filtre 4K, c'est quand même du foutage de gueule. Quoi. Ouais, après un filtre 4K sur un jeu PS2, quoi, à quoi ça servait réellement quoi. Bah, c'est ça quoi, bah rien. Ah oui, il y a la distance d'affichage aussi qui seront améliorées. Qui seront agrandies, donc je pense qu'ils ont quand même fait un minimum. C'est Rockstar qui a développé ? Je sais pas si... Je pense que c'est Rockstar, ouais, ou en tout cas c'est... Alors est-ce que c'est le North, est-ce que c'est Rockstar Leeds, est-ce que c'est... Enfin, est-ce que c'est un des Rockstar, mais lequel ? Ça, je sais pas exactement, par contre. À moins qu'ils aient repris... Ils ont fait de la sous-traitance avec Epic. Peut-être. Vu qu'ils ont l'Unreal Engine, que ça appartient à Epic, ça arrivait trop brutalement la communication vu que ça leak. Alors du coup, il y a zéro info, il y a rien. Toutes les infos, c'est des fuites officielles, quoi. Mais je sais pas, je suis ouais. Ouais, à voir. Hein. Ouais. Après, j'ai une autre info, ça a rien à voir avec. Ça peut concerner les gens aussi qui sont là. À partir du mois prochain, on aura 6 jeux sur le PS Plus au lieu de 3. Ouais, 6 jeux, donc il y aura un jeu PS5, 2 et 4 jeux PS4, dont 3 jeux PSVR. Voilà, par mois, tout le mois, il y aura 3 jeux VR en plus. Alors, attends, il y aura 3 jeux PS4 ? Il y aura 2 jeux PS4 basiques comme on a maintenant, un jeu PS5, en fait, la même chose que maintenant, et en plus, on aura 3 jeux VR. D'accord. Donc ça fait 4 jeux... j'ai dit quoi ? Ouais, donc ça fait 6 jeux quoi en tout. Un PS5 et 5 PS4. C'est pas mal du tout VR ça. Sur les... Après, faut voir parce que si c'est vraiment 3 jeux VR tout le temps, vu que c'est ce que j'ai vu, pour fêter les 5 ans du PSVR, ils vont vite filer le catalogue à ce rythme-là. Parce que 3 jeux. Ouais, 3 jeux. 3 jeux, 500, donc 3 fois. Ouais, 500 divisé par 3, quoi. Passe une bonne nuit, T41. Merci d'être passé. Franchement, est-ce que c'est réellement nécessaire ? 3 jeux PlayStation VR. Pour voir le 2.
Je pense que c'est pour promouvoir le 2. Et il y a une date de sortie ou pas? Je sais qu'il est officialisé. Non, mais... ils communiquent pas, ils ont rien communiqué. Ils ont parlé des contrôles, mais sinon, ils ont pas fait grand chose. Et oui. Et le problème, c'est que moi, je trouve ça, c'est une excellente idée, mais ça réduit aussi la frange de joueurs, parce que tout le monde n'a pas le VR, et tout le monde, même ceux qui le possèdent, sont pas réceptifs de la même manière. Donc c'est du vrai. Coup, ceux qui ont du motion sickness, pour eux, c'est pas très utile, quoi. Est-ce que les jeux PlayStation VR 2 seront compatibles avec le... Je pense pas. Tu penses pas. Pense pas. On va repasser non, à la caisse, pas. Donc. Et le problème, c'est repasser à la caisse, donc ça veut dire ça potentiellement... Ça sera euros. Sans moi. Parce qu'à la limite, si c'était un peu comme l'Oculus, c'est-à-dire en gros qu'il proposait juste que le PlayStation VR 2, ça améliorait uniquement le visuel. Puisque après, c'est la console qui fait les graphismes, on est d'accord. Ouais, après, c'est le casque. C'est la netteté de l'image que après, le casque je sais pas produit. S'il calcule par exemple du 1080p par deux, vu qu'il y a deux trucs pour les deux yeux, quoi. Non, je sais pas comment ils font leur calcul mécanique, si c'est le boîtier du VR qui lui calcule tout, ou si c'est la puissance de la console. Non, c'est la puissance de la console. Je pense que c'est la puissance de la console qui fait les graphismes. Après, je dis qu'ils seront pas compatibles, mais bon, c'est qu'une supposition, si ça se trouve. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est possible. Donc pour moi. Du 1 au 2, oui, mais du 2 au 1. Parce que moi, à la limite, je suis prêt à jouer avec un PSVR et avoir un peu plus de pixelisation. Maintenant. Repasser à la caisse, déjà pour un volant, je me suis retrouvé chanceux de me dire que le volant PS4 était encore compatible sur PS5, mais là, s'il faut refaire la même chose avec un PSVR, sans moi, quoi. Surtout pour quelque chose qui est un peu gadget, hein, faut ouais, le dire. C'est l'annexe, hein. C'est vraiment du gadget pur, c'est pas... en pourcentage de jeu, ça représente... Sur 100% de temps de jeu, on va dire, ça représente même pas 30%, je pense. Eh oui, à moins d'être pro VR, enfin, il y a pas les jeux VR, il y en a pas 50 millions, et surtout, il y en a pas non plus forcément, ils sont pas tous très bons. Donc c'est pas faux. Enfin, c'est compliqué. Je sais pas comment. Après, je pense que c'est pas le bon calcul s'ils misent déjà sur le. Il faut déjà qu'ils misent sur le stock, parce que c'est quand même plus d'un an et toujours. Enfin, ça va faire un an. Et il y a rien, quoi. Enfin, c'est le désert de Gobi, machin. Il y a pas de stock, il y a rien. Donc c'est pas le bon calcul s'ils pensent déjà que au deuxième VR, quoi. Ouais, c'est pas faux. Et moins de fils, hein, parce que le VR 1, c'est une horreur, hein. Oh là là, les fils. Ouais, c'est casse-pieds, les fils. J'ai testé l'Oculus, il y a zéro fil, c'est tellement agréable. Ouais, le Quest 2, c'est énorme, hein. Le Quest 2, j'ai un collègue qui l'a aussi. C'est l'avenir, quoi. C'est l'avenir. Moi, maintenant, le problème, c'est que le hardware, il est dans le casque. Donc, t'as pas forcément quelque chose de super puissant non plus. Ben, c'est ça, parce que... Il va pas te faire tourner les derniers jeux AAA, quoi, le casque. Si c'est super puissant, le truc, c'est pas 400 qui va coûter, c'est le double. Eh oui. Pire, il te fait pas tourner du AAA, clairement. Un rapport qualité-prix, quoi. Et oui. Ça va être compliqué. On verra bien. Bon, après, je pense pas que ce soit l'avenir du jeu vidéo. Je peux me tromper, mais peut-être dans 100 ans. Pour moi, c'est comme le dématérialisé, en fait. Genre, le dématérialisé, je suis pour qu'il existe, mais que en cohabitation avec le physique. Et pour moi, le VR, il doit cohabiter avec les jeux manettes. Si les deux cohabitent, ça me va très bien. Tout par à contre, fait, si c'est oui. Forcé le passage à l'un ou à l'autre, c'est hors de... Enfin, moi, le passage au démat, ça va vraiment me gaver, quoi. Et ça arrivera, hein. C'est là, malheureusement, ça va arriver. On est sur la dernière génération. Hein. Ils ne pourront pas continuer à produire du plastique pour faire plaisir aux gens. Non, hein. Mais moi, je pense qu'ils vont faire une appli sur télé et tout. Et puis, ils vendront juste leur manette à la rigueur à connecter à c'est la télé. C'est ça. Il y aura même... C'est ce que Microsoft fait déjà avec son Game Pass, donc je pense que voilà. C'est comme je dis, si je veux acheter les jeux Xbox, j'ai la fibre, je prends le Game Pass,
et puis je le mets sur ma télé. Le cloud, tu veux dire le X-Cloud. Oui. X-Cloud, je prends le X-Cloud, oui. il y a le Game Pass en X-Cloud, je le prends, je le mets sur ma télé. C'est ça. Et merci, au revoir, que j'achète pas de console à 500 euros, ça tout, rien. Tout à fait. Tout à fait. Après, pour la coupe. C'est pour ça que... Bah oui, mais après, du moment que t'as la fibre, c'est bon, ça passe. Ouais, voilà. Le truc, c'est que... Moi, c'est un gros avantage que j'ai vu dernièrement, c'est que clairement, je prendrai pas d'Xbox Series X, puisque le cloud sera compatible avec la console Xbox One. À partir de là, c'est. En ça, fait, c'est... Le cloud, à partir du moment où on est pas, enfin, on est fibré, donc En fait, faut juste pas trop regarder sur les éventuelles pertes de connexion ou de panne qui peuvent arriver parfois, et c'est tout, quoi. Tout à fait. Tu garantis la série X, et genre que ça reste du début à la fin, même s'il y a une panne d'internet, tu pourras jouer à ton jeu. Ce qui est pas le cas avec le cloud, mais en vrai, je préfère avoir quelques pannes de temps en temps et pas payer 500 euros que de payer 500 balles une console pour encore prendre de la place chez moi. Enfin, effectivement. De toute façon, Microsoft, c'est pas ce qu'ils veulent, vendre de l'hardware, sinon ils auraient été plus agressifs que ça, parce qu'ils intéressent de vendre de l'abonnement. Donc, clairement. Bon, d'accord. Moi, je trouve que ça fait bien, ce zoo-là. Il y a de la place, hein. Je trouve... de rien, Oui, il y a beaucoup de place. Je trouve que ça fait bien, ce zoo qui est creusé dans le sol, finalement. Ça me plaît, en tout cas, personnellement. En tout cas, Saver nous a été d'une grande aide là avec son découpeur de terre là. Et quelle entreprise vous avez fait appel? Il peut te couper des montagnes en deux clics. C'est... Zoo and Destroy. Après, faudra lisser un peu tout ça, mais. Tout à fait. Je vais essayer de couper ça. On appellera Bluepoint pour le lissage ici. D'ailleurs, ils ont été rachetés aussi. Tout à fait. J'ai hâte de voir ce qui. En fait, Bluepoint, ils ont vraiment. Pour moi, hein, c'est qu'un avis personnel. Mais pour moi, ils ont le meilleur moteur 3D. Visuellement, il n'y a que Bluepoint qui m'a filé une baffe. Avec Demon's Souls. Et à l'époque, bon à l'époque ça date pas de pas bien longtemps, avec le remake de Shadow of the Colossus, clairement. Ouais, ouais. MGS aussi, hein, MGS remake aussi. Ouais, MGS remake, c'est de la PS2. Mais oui, c'est de la PS2. Donc là sur le remake, ils ont créé quelque chose qui était d'actualité. Pour Shadow of the Colossus, parce que la PS5 n'était pas encore sortie, donc ils avaient un moteur 3D pour la génération de consoles actuelle, et c'était une baffe, clairement une baffe, et ils ont confirmé avec Demon's Souls, qui pour moi, Demon's Souls reste le jeu le plus beau de la next-gen, ou current-gen, comme vous voulez, et franchement, Demon's Souls, c'est une vraie baffe, c'est le seul jeu qui m'a produit... Qui m'a claqué en fait. C'est. Je me demande justement, parce que en fait, quand on regarde bien Bluepoint, à part des portages et des remasters, ils ont rien fait de particulier pour. Jusque-là quoi. Et je me demande si Sony, ils vont pas leur faire des commandes de jeux. De vrais jeux quoi, genre des jeux. Tu veux dire de jeux originaux? Ouais, des nouvelles IP, ouais, genre des jeux originales, genre il y a plus de ils feront des remakes et des remasters, mais en gros derrière ce sera maintenant vous avez l'argent, on vous laisse l'argent et vous faites votre propre jeu quoi. Ils l'ont plus ou moins fait avec Demon's Souls en termes techniques, je parle, parce que après pour le reste ils ont repris le jeu quoi, mais je veux dire ils ont refait le moteur à fond, donc pour moi il y a rien qui les empêche d'avoir de leur faire leur propre jeu, il faut juste qu'ils trouvent un scénario quoi, mais ça m'étonnerait pas que ça se passe comme ça aussi. Et Hideo Kojima, il est sur quoi en ce moment? Officiellement, il est sur... sur un nouveau jeu. Après, ça parle de Death Stranding 2. J'ai entendu parler de Silent Hill. Et Silent Hill, ouais. Alors, le problème, c'est que Silent Hill, il y a 2-3 informations qui... Contraire, genre, c'est pas ce... Enfin, en gros, il y aurait plusieurs Silent Hill, c'est ça que je comprends pas trop. Mais par contre, si c'est lui qui est vraiment derrière Silent Hill, je pense que là, il va y avoir des gens qui vont devoir acheter un défibrillateur à côté. Parce que je pense que lui, il va pas y aller avec la dentelle. Il l'avait déjà dit une fois et...
Enfin, je trouve dans Death Stranding, il y a une part de Silent Hill un peu, hein, genre un peu du surnaturel et tout. Il y a quand même des trucs un peu bizarres, quoi. Après, est-ce qu'il sera aussi chargé mentalement et émotionnellement que Death Stranding, je sais pas. En y repensant, il est quand même bien... C'est... Il est physique, en fait, Death Stranding, comme jeu. Les gens, ils pensent pas à ça, mais il est physique, ce jeu. Bon, t'es lessivé à la fin. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec ce jeu. C'est coupable, en fait. C'est ça, le truc que tu détestes faire dans les autres. Il y a quelque chose. C'est trop bizarre. Death Stranding, c'est trop bizarre. Tu fais rien. Tu fais que marcher. T'es dans un gameplay... qui est hyper basique, en fait. Parce qu'une fois que t'as compris la combine avec les bombes... hématique ou émotique, je sais plus là. Hématique. Hématique, ouais. Une fois que t'as compris la combine, y a plus rien qui te fait peur. Hein. T'avances doucement, dès que tu vois un spectre, tu envoies la grenade et. Les échoués, c'est ce qui faisait le plus peur, entre guillemets, parce que bah, c'était vraiment le truc horrible. Au début, t'es en galère totale. Une fois que t'as les tiros, c'est merci, au revoir, tu les croises plus, quoi. Tu passes par-dessus avec les tyroliennes, moi, c'est ce que j'ai fait. Les trajets, je les ai en 10 secondes, j'avais zéro problème pour faire mes livraisons. Eh oui. Enfin, le jeu, je l'ai torché, retorché, je me suis même tapé la map entière pour aller livrer une pizza sur le jeu. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est bien, parce qu'au moins, lui, c'est un jeu qui sort de tout ce qu'on a, quoi. Genre, oui, clairement. Ah, il y a quelque chose de... Mais c'est ce que je disais, justement, il n'y a rien, il n'y a pas de gameplay, c'est hyper basique, et au final, tu prends plaisir, quoi. Tu prends plaisir à arriver à destination, quoi, c'est trop bizarre. C'est le seul jeu où t'es content de faire des quêtes FedEx, alors c'est le truc le plus chiant du monde. Oui, c'est les trucs les plus... Ouais, c'est trop bizarre, ce jeu a quelque chose. Quand tu finis ta quête, t'es là, oh, j'ai fini. Et le paradoxe, c'est que t'as envie d'en refaire une, alors que c'est le truc le plus horrible. Ben oui, c'est vrai. C'est bizarre que ça soit aussi addictif. Il y a quelque chose de bizarre. On dit qu'il a un melon qui dépasse le plafond, mais je suis désolé, pour moi, il n'y a que ce gars-là qui est capable de faire ça. Okay, bon, je me souviens pas de quatrième mur brisé sur ce jeu, je me rappelle plus. Oui. Justement. Si, c'est bon, ça m'est revenu là déjà, mais je veux pas en parler. Avec dans la chambre avec. Oui, c'est ça, avec Mads. Avec Sam ou avec Mads aussi. Ouais, c'est bon. En fait, c'est quand tu découvres qui est Mads, en fait. C'est vrai, c'est ça. Ça, et aussi quand on regarde, quand on fait un zoom avec le stick sur Sam Porter. Que le mec il interagit directement avec nous, quoi. Donc il sait qu'il nous regarde. Enfin, ouais. J'ai fait des trucs que je me suis dit, c'est obligé, il a pas pensé à ça. Le mec il a pensé à ça. Genre regarder au sol, regarde entre ses jambes, il met ses mains pour pas qu'on regarde. Enfin, il s'est dit, il y a des gens qui vont faire ça, c'est sûr. Et ben il a tapé dans le mille, quoi. Enfin, ah, j'avoue que ouais. Bah... C'est Kojima, quoi. Après, ok, il a peut-être le melon, mais moi je veux bien des mecs avec un melon et des jeux comme ça, quoi. Je veux pas, j'en ai marre d'avoir des jeux copier-coller. Je veux pas parler de Ghost Recon parce que sinon ça va dévier. Voilà. Ghost Recon, pourquoi Ghost Recon? Parce que c'est ils ont annoncé un nouveau Ghost Recon. Déjà, ils ont tué la série avec le Breakpoint, là, le dernier. Ils l'ont déjà bien flagué. Si j'ai bien compris, ça devient un genre de Fortnite, non? C'est ça, en fait c'est un BR 100% gratos, c'est que du multi, donc voilà. Fait en FPS, donc pas de vue TPS, donc c'est même pas du Ghost Recon pour moi. Et ils sont tellement forts qu'ils vont faire Tom Clancy X Defiant qui reprend à peu près le même délire, donc ils vont faire deux jeux similaires. Ouais, je pensais qu'il y avait quand même une vue TPS pour le prochain Ghost Recon gratuit. A priori, il n'y a pas de vue TPS pour Ghost Recon, ou alors j'ai pas fait attention. Il me semblait que si, hein. Mais après, c'est possible qu'il y a le Switch comme Battlefront, TPS-FPS. Dans ce cas-là, ça peut apporter une autre dimension. Mais parce que tu peux switcher dans les Ghost Recon. Hein, tu peux avoir une vue FPS aussi. Mais après, Ubisoft, c'est les rois du BR. On l'a vu avec Hyperscape, le truc qui a fait 2 mois et puis personne n'en parle. Tout à fait. En fait, c'est un manque d'originalité. C'est plus ça qui m'énerve, en fait, que le fait de faire un autre jeu. C'est... Le fait qu'ils aiment bien flinguer leur licence une à une, quoi. Genre, Rayman, on en sait bien, il n'y a rien. Splinter Cell, j'en parle. Splinter Cell, ils le mettent dans tous les jeux, sauf dans le jeu où il doit être. Il nous a fait gagner un temps fou, Monsieur Saver. Je suis très fier que vous soyez premier adjoint. Ah bah là...
la magie comme personne. Ah ben oui, là, parce que franchement, le terraforming, 20 minutes, quoi. 20 minutes, le terraforming, sans déconner. Truc de fou. Pef, voilà. C'est ça. J'ai une question, s'il s'agit des murs. Est-ce que les murs ressortent? Est-ce que... Comment on... Ben les murs, on va faire... déjà, il faut choisir les murs, déjà. Faut choisir les... Mais on va faire... Je peux vous proposer quelque chose dans ce style-là. Oui. Alors, vous êtes où? Attendez, je vous cherche. Monsieur le premier adjoint, vous êtes où? Au niveau de l'entrée. D'accord. Donc, moi, ce que je proposais, tout simplement, c'est de caler des murs... D'accord, ça c'est des vitres. Vitrées, genre, ouais, ça comme ça serait tout long, Oui, tout le long pour faire rambarde, mais le problème c'est que ça fait pas de jonction entre Oui, non mais ça je me débrouillerai, je trouverai des trucs pour que ça passe. D'accord. Mais tant que ça vous plaît, ça me va. Je saurai quoi faire. Je vois. Alors par contre, ce que je voulais faire, c'était ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, directement sur Voilà, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà, est-ce que vous voulez pas qu'on remplace la couche qui est derrière? Non, justement. Je veux qu'on fasse par-dessus. Voilà, par-dessus, ça sera beaucoup plus rapide, je pense. Maintenant, il faut savoir quel mur on choisit. Qu'on soit tous d'accord et qu'on puisse commencer à faire les murs. À quel bloc? Ouais, quel bloc? Prenez ce que vous voulez, qui vous fait le plus plaisir. Monsieur Anto, c'est vous... Prenez la brique parce que c'est celle de l'entrée du métro. Oui, alors désolé, excusez-moi, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Ben, c'est vous le maître d'œuvre pour ce zoo, donc à vous de me dire, de proposer quel mur on va mettre, parce que vous voyez là, j'ai... Je sais pas ce qu'il y a de dispo en mur... Bon, après, j'allais dire un mur clair, mais s'il y a du sable, faut pas que ça soit trop clair non plus. Donc, en vrai, ça après, c'est on pas... Peut faire des... on peut alterner, par exemple, les coins avec ça... Ouais, c'est pas mal ça. Ça donne un peu un côté, arbre un peu. Bon alors, on le prolonge pas, mais tu sais, ça fait une délimitation de. Est-ce qu'un gris comme ça, ça va pas faire prison un peu ? Peut-être, bah, ouais, peut-être laisser les pylônes, là, ceux-là là, et les briques. Changer la brique pour mettre quelque chose de plus, j'allais dire plus safari, mais plus clair quoi, tu vois. Après, j'avais une idée tordue, mais c'est impossible à réaliser, tu vas mettre un temps fou. C'est ce que t'avais expérimenté avec les blocs, c'est-à-dire de... Alors là, ça va te faire marrer sur... Enfin, quoique, notre chère mère y a joué aussi, mais de refaire le thème de Planet Coaster, mais genre en musique. Mais ça va... Déjà, il n'y aura pas de droit d'auteur, quoi. Mais le truc, c'est que ça va être galère à faire. Je peux le faire, mais de toute façon, il faut que j'apprenne le solfège dans pas longtemps, donc si c'est possible, quoi. C'est chiant, peut-être que je peux trouver un truc sur YouTube, mais... Parce que même si ça colle au parc d'attractions, ça colle à un zoo. C'est même pas Planet Coaster qu'il faudrait que je mette. Ouais, c'est plus... Bon après, ça colle au zoo aussi, hein, je trouve, à la musique. Un mur plus clair, je suis en train de chercher des... Après, ouais, mettre un mur... Justement, ça ferait bien une démarcation entre le pylône là et un mur plus clair. Ouais. Si ça se trouve, pour l'inauguration du zoo, il y aura un pénis géant, vu qu'il y en a un qui a pas s'amuse à faire ça. C'est comme le coup de la pénis ça... avec la Xbox, mais voilà. Non, c'est toujours trop foncé, ça. Non, c'est fou. Ouais, c'est fou. Il aurait fallu ça, mais en genre un peu boisé. Ouais, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus jungle, tu vois, puisqu'on est dans un zoo, il y a des animaux. En couleur bois, ouais, je peux voir ce que je veux faire, ouais. Ouais. On va utiliser des couleurs plus claires, quoi. J'ai envoyé des bois. Ouais. Bon, ça pour moi c'est tropical. Celui-là c'est tropical, non? Celui-là. Je pose plusieurs choses. C'est ce qui me plaît. À mon avis, il y en a qui vont dégager dans ceux-là. Ah, mais bien sûr, non, mais là c'est juste. Voilà, je vous présente ce qu'on a. Ou alors, ce qu'on peut faire. Après, c'est ce problème, c'est qu'il faut délimiter. Après, par exemple, le bleu, là, tu peux le garder pour une zone un peu aquatique. Tu sais, si t'as des trucs d'aquatique. Bien sûr, ça après. Tu vois, genre des rebords aquatiques et tout, tu vois. Et après, adapter en fonction de l'endroit où t'es. Moi, j'aurais bien opté pour celui-ci, là. Hein. Celui qui est en dessous de la pierre. Ouais.
Ah lui ça fait, pour le coup, ça fait jungle, ouais. Ouais ouais, ça fait... Ça fait un peu liane en fait. C'est ça. Un petit peu. Sur un mur, ça donne ça. C'est du cuivre à la base, hein. Ouais ouais, c'est le cuivre à la base. Je trouve que... Je pense, je l'aime bien, après je sais pas, j'aimerais bien voir votre avis aussi. Dans les couleurs, on est dans les couleurs, on est dans le thème déjà. Ouais. Après, c'est bien parce que maintenant ils ont rajouté plein de blocs et des trucs très très sympas. On peut faire au moins l'entrée, dans hein. C'est-à-dire au moins l'entrée, c'est-à-dire ces deux murs là parallèles, celui-là. Et après on l'entrée, peut... je la voyais peut-être plus en bois ou ouais, en brique. Oui, non, et ça on peut le faire après. Oui, tu as tout à fait raison, Cyber. Tu as tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, pardon. Tout à fait. Mais pour l'entrée, on pourrait pas faire comme sur le pont là-bas. Genre prendre le style de bloc là-bas. Si on va garder de la brique pour faire oui, l'entrée. Oui, là l'entrée, la sortie du métro, on garde voilà. Les mêmes pierres. Sol, parce que c'est bien gentil de mettre les murs, mais le sol il va être aussi important. Le problème c'est que le sol va dépendre de la couleur de tes murs. Tu peux pas mettre un sol trop clair avec des murs trop clairs et un sol trop foncé. Le sol, on peut le mettre le même partout en fait. Bah en fait, un sol en bois ou un sol en quartz, mais je sais pas, mais un truc qui fait genre un peu ponton, tu ça, vois. Ça c'est sympa, tu vois. Celui-là là. Moi j'aime. Ouais, je sais pas, un truc qui fasse vraiment chemin. T'as pas genre un peu plus dans les tons clairs, genre marron, mais pas trop. J'ai le même brique. Le même. Ouais, ben lui il est trop foncé. Non, pas ça. Il fait trop violet celui-là. Ouais, puis il est trop foncé. Si j'ai ça qui fait caillou. Ce petit caillou. Bon, après, j'ai comme les murs, mais en comme ça quoi. Bah. Ouais, je sais pas. En fait, c'est quoi comme matière celui-là là? Ça, c'est du fer, c'est des blocs de fer. Du fer. Ouais, je sais pas, ça fait. Ça, limite, ça fait un peu genre. Comment on appelle ça? J'ai ça. Ça fait. Tu vois, genre. Le fer là, ça fait un peu genre dans les mines un peu. J'ai du mycélium, pareil, je sais pas ce que ça peut donner. On a demandé à monsieur le maire. Un peu trop violet. J'en pense. Monsieur le maire. J'arrive tout de suite, je faisais une vue d'ensemble sur le Wamworld. Moi, je te dis. Ouais, j'ai le basalte, soit de côté comme ça. Soit comme ça. Écoutez, moi ce que je vous propose, puisqu'il reste 8 minutes avant la fin de ce live, puisque le wifi coupe à minuit. Il faudrait juste qu'on trouve le bloc en fait. On va laisser. On va encore réfléchir, on va prendre le temps de réfléchir. On va laisser toutes ces palettes de couleurs ici, toutes ces palettes de blocs pour pouvoir encore nous laisser le temps de réfléchir. Mais je pense qu'on ne prendra pas la décision tout de suite. Mais il y a du choix, quoi qu'il arrive, il y a du choix. J'aime beaucoup le cuivre ici. J'aime beaucoup aussi celui-là, je ne sais pas pourquoi, ça fait très... ça fait sol pollué un peu. C'est... Ouais, voilà, c'est ça. Celui où je suis dessus, là. Je mets un voilà. Bloc dessus. Celui où je pose un bloc, là. Celui-là, ouais, ça fait très sol pollué. C'est ça que je voulais mettre. Donc on a ça et on a ça. Ok, moi ça me va, je... Moi, j'ai 50 000 idées qui me viennent en tête, là, pour les trucs, les mondes... Là j'en ai blindé. Franchement, s'il y a la place pour, il y a moyen qu'on fasse un truc de fou. Hein, je te le dis. Bah, typiquement là, tu vois, toute la partie qui est là, qui est pas encore creusée au niveau de la faille, on peut faire la partie aquatique en étant. Mais moi j'avais pensé à un parc aquatique. Soit tu passes en mode un peu souterrain, tu sais, avec sur les côtés, soit carrément ouais. Tu marches dans l'aquarium en fait, genre t'as tous les poissons en dessous, tu sais. Bah, avec des. Tu vois, si bien d'accord, on peut passer ici avec un chemin et faire un petit dôme en verre en dessous. Avec plein de poiscailles. Alors déjà, est-ce qu'on peut choisir le sol qu'on posera Ouais, bah justement, si celui-là vous convient, j'accepte de le garder celui-là. Celui-ci, là, avec le... Ouais, le mycélium. Le sol pollué, c'est ça que vous voulez mettre comme sol, en fait, c'est ça votre préférence vers celui-ci. Je me croirais à...
à la Simpe ou à Bricorama. On pense pas à Bricorama dans le rayon. Alors ouais, moi je voudrais de la peinture, mais je voudrais le modèle 78. Le modèle 78, j'ai toutes les palettes devant moi. C'est le gars qui arrive avec son je sais plus comment ça s'appelle là, où il y a plein d'échantillons de couleurs sur du carton là. Le truc là qui te présente avec genre c'est un qu'on appelle ça. Ah merde. Je sais plus comment on appelle ça là, espèce de d'échantillon qui te présente où il y a toutes les couleurs de disponibles en carton, je m'en rappelle plus du nom. C'est pas une palette. Attends, c'est la l'échantillon, ouais, c'est ça. L'échantillon, ouais. L'échéancier, oui. Nuancier, oui. Ouais, le nuancier, je crois que tu as raison. Nuancier, il est arrivé avec un nuancier. Tenez, choisissez. Moi, le mur, je suis partant pour ça. J'aimerais bien ça à un moment donné. Si tu veux, vous voir. Après, on n'est pas obligé de le mettre partout, mais peut-être dans certaines zones. Dans certaines zones, effectivement. Il faudra faire plusieurs thèmes selon les animaux qui seront présentés. Ça, genre avec des lianes, des bambous et tout. Avec des bambous et tout, on sera dans la jungle. Ça, par exemple, la zone à panda, tu vois, avec ce sol-là, ça passe. Oui, effectivement. Ça fait un peu feuille. Tout à fait, c'est parfait. C'est parfait ça. Je te mets dans le décor, hop, Ah oui, excellent. Par contre, faudrait voir c'est comment on les place. Est-ce qu'on les place au fur et à mesure, on retient et on les place au fur et à mesure. Parce qu'on peut pas genre délimiter maintenant, c'est pas possible. Parce que si tu délimites et qu'après tu dis bah en fait c'est pas assez grand pour telle ou telle zone. Par exemple, tu vois, on a des creux là. On peut mettre des enclos là. Et de toute façon, je pense que là, il est un peu trop petit le zoo. Honnêtement. Ça dépend combien tu veux mettre de jeux. Il faudra la grandeur. Bah si tu veux mettre tous les animaux, c'est pas assez grand. Parce qu'en surface... Après t'as la profondeur, ça dépend si tu veux... Est-ce qu'il est petit par rapport à la surface ou à la profondeur, tu vois. Ah, surface. Profondeur, c'est pas bien grave. Après t'as la hauteur aussi, tu peux travailler éventuellement la hauteur avec des ponts et tout. Ouais, mais la hauteur, le manque de surface. À voir, ouais, à voir clairement. Il y a là aussi, Attends, il y a là aussi, regarde. Attends, on l'a pas. Ah oui, il y a une zone qu'on a pas creusé ici. Ouais. Oh, on a pas cassé. Mais justement, c'est cette zone là où je voulais faire un dôme aquatique. Ah, le dôme peu, ouais, alors regarde. Ouais. Ouais. Et le faire en dessous. Là. Un petit pont avec dôme. En tunnel. Et ouais, ici, il y a une là, zone qu'on a pas pété. Le côté ouais. Marais, axolot. Après, ça dépend, est-ce que tu veux pousser le concept juste par parc de visite ou avec une espèce de pseudo-boutique aussi qu'il faudra caser quelque part, tu vois. Oh, t'inquiète, ça viendra avec le temps. En voyant la place qu'on a, si on doit vraiment combler ou pas. Parce que en termes d'investissement, lui, peut être sacrément costaud comme truc, ça va mettre du temps, quoi. Très bien. Bon, 23h57, Monsieur Saver, je vais vous demander de préparer un petit discours rapide pour le début du prochain live, vendredi prochain, parce qu'on va faire une cérémonie d'intronisation, forcément. Vous partez premier adjoint, donc jusqu'au 16 décembre. Un petit mot, hein, vous mettrez au balcon, comme on a fait la dernière fois, vous mettrez au balcon, si ça vous dit. Normalement, écoutez, pas. N'hésitez pas à trouver 2-3 idées. Je vous demande pas de faire un discours de 2 heures. Hein. En 30 secondes, ça peut être fait. Hein, entre de l'improvisation et 2-3 choses marrantes. Et ensuite, nous continuerons la construction de ce zoo sous la houlette du maître d'œuvre, Monsieur Anto. En tout cas, merci Saver et merci Anto d'avoir été présent lors de ce live. On va se quitter ici et j'espère que vous serez disponible. Pardon ? Voilà, merde, je l'ai mis trop. Attendez, je le baisse. Non, c'est bon. Hein. Non, du coup, il est un cran trop. Non, mais on le posera ici, hein, direct. Hein, on s'en fout. Hein. Ouais, mais justement, je voulais le préposer. Comme ça. Voilà. Et là. Ah, il y a moyen de préposer directement à la place de bloc, ouais, en fait. C'est ça. C'est quand je retire, je peux aussi poser des blocs. D'accord. Et du coup, voilà, je viens de mettre un chemin entier. Dans... On peut poser des blocs sur des blocs, en fait, à la place d'un bloc. On peut remplacer ouais, des blocs. Les blocs. D'accord, remplacer. Ok. Et par exemple, j'ai remplacé tous les blocs par des blocs d'air. Donc, c'est des blocs vides. Oui. C'est rien. Bon.
Je vais vous devoir vous dire au revoir, 23h59, ça va couper automatiquement dans moins d'une minute. Donc un grand merci, Cyber, un grand merci Anto, j'espère que vous serez dispo la semaine prochaine. Normalement oui. Un grand merci à Event d'avoir été présent aussi. Pas de quoi. J'espère qu'il sera dispo la semaine prochaine également. Et j'ai peur de Docteur Nintendo et Monsieur Chef Puma qui ont disparu. Je pense qu'ils préparent un gros truc, les gars. Je vous le dis. Ah, il y a des chances, ouais. Et on sera, nous quatre, je pense qu'on sera pas dans la confidence. Et on sera autant surpris que le scénario de la semaine prochaine, de la semaine dernière, qui était plutôt sympa aussi. En tout cas, merci Anto, merci Cyber, merci Event, merci à Docteur Nintendo et Chef Puma. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Salut. Allez, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir été présent lors de ce live. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture et à jamais dans le tramway. Thank you.